Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième cours organisé par l'Académie de Royal de Médecine dans le cadre du Collège de Belgique sur les progrès récents en dons et transplantation d'organes en médecine régénérative et en reproduction humaine. Vous serez également les bienvenus aux deux conférences suivantes le 15 octobre pour entendre les professeurs Benoît Langer et Michel Dupuis de Luciel nous parler de main, visage et identité, la nouvelle fabrique du corps humain. Et le 22 octobre, le professeur Olivier Dautry et Florence Kemax de l'Université de Liège qui nous parleront de dons d'organes et dons de vie. Et ce soir, nous sommes impatients d'entendre nos deux collègues de l'ULB. Le professeur Dominique Bron nous parlera de médecine régénérative et thérapeutique cellulaire à partir de cellules mésenchymateuses. Où en est-on? Et il sera suivi du professeur Guy Archer qui nous présentera le point de vue de Laetitien, le philosophe, d'une manière très critique, comme nous l'y invitons. Chers collègues, connaissant vos engagements professionnels très chargés, je vous remercie de votre participation et je vous présente brièvement l'une après l'autre. Dominique Bron, professeur d'hématologie à l'ULB, chef du département d'hématologie clinique et expérimentale à l'Institut Jules Bordet. Elle s'est formée en médecine interne et est agrégée d'enseignement supérieur. Sa formation en onco-hématologie a été acquise notamment chez le professeur Kaplan à Stanford et chez le professeur Thomas à Seattle, titulaire, si je ne m'abuse, du prix Nobel en 1990. Le professeur Bron a acquis une grande connaissance de ces souches hématopoïétiques et elle est donc tout indiquée pour traiter le sujet de ce soir. Elle est membre de nombreuses sociétés savantes dans son domaine de prédilection. Citons l'American Society of Hematology, l'ORTC, l'International Society of Supportive Care in Oncology. Elle a présidé la Société belge d'hématologie et elle est auteure, vous pouvez vous y attendre, d'un grand nombre de publications scientifiques. Elle est également concernée de très près par les questions éthiques. Elle est membre actuelle du Comité consultatif national de bioéthique et du Comité d'éthique de l'Institut Jules Bordet depuis plus de 30 ans. Monsieur Guy Archer est connu de tous. Il est docteur en droit, en philosophie de l'ULB, professeur ordinaire actuellement à l'Emérita. Il fut doyen de la faculté de philosophie et lettres de 1997 à 2000 et membre de la commission philosophie du FNRS pendant 20 ans. Le moins que je puisse dire est que le professeur Archer ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a été visiting professor dans de nombreuses universités étrangères, notamment américaines. Il a souvent traité des droits de l'homme et de la protection des minorités ethniques, y compris en Chine. Son engagement dans ce domaine lui a valu plusieurs prix, notamment en 1989 le prix des droits de l'homme de la communauté française de Belgique, pour son ouvrage « Philosophie des droits de l'homme ». Il a été également professeur au Collège de l'Europe à Bruges pendant de nombreuses années. Monsieur Archer, vous êtes la personne la plus indiquée pour nous assurer que la recherche sur les cellules souches humaines est menée dans le parfait respect des droits de l'homme. Et je pense notamment à la recherche sur les cellules souches embryonnaires alors que le fœtus n'a pas de statut. Madame Bron, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs les présidents honoraires de l'Académie de médecine, chers académiciens et chers amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis dans la salle, merci de partager ce débat avec nous. C'est la deuxième séance dans le cadre d'un programme sur les débats éthiques et transplantation. Et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la thérapie cellulaire, la médecine régénérative, et surtout à partir de cellules stromales mésenchymateuses, et c'est ça que je vais vous expliquer. Alors mon exposé va s'articuler en quatre parties. La première partie...
Puisque le public est très différent dans la salle, je vais reprendre la définition d'une cellule souche depuis l'ABC jusqu'à des choses plus compliquées. Je parlerai des recherches sur les cellules souches, et en particulier les cellules souches qui m'intéressent, qui sont ces cellules neuroschémateuses. On fera un petit exercice interactif avec la salle, avec quelques cas pour juger de votre sensibilité éthique, et vous allez voir comme c'est difficile d'être membre d'un comité de bioéthique. Et puis je passerai la parole au professeur Archer. Je remercie au passage d'avoir bien voulu participer à ce débat aujourd'hui. Donc on commence par la cellule souche. Donc ça, vous comprendrez aisément quand le spermatozoïde féconde l'ovule. Donc l'ovule est fécondé, il se met à se répliquer, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, et au moment où il atteint à peu près 60 cellules, il se sépare en 2 parties, une partie qui va donner l'embryon et une partie qui va donner les annexes. Évidemment, l'embryon devient le fœtus qui devient lui-même l'être humain. Alors, par définition, une cellule souche, elle doit avoir 3 propriétés. Elle doit être capable de s'auto-renouveler, elle doit être capable de proliférer et elle doit être capable de se différencier. Et ces 3 propriétés sont indispensables parce que si vous n'avez que la capacité de proliférer et de se différencier, ben en peu d'années, votre stock de cellules souches est épuisé. Donc il faut absolument que la cellule mère soit capable de s'auto-renouveler et pas uniquement de donner des cellules filles. Et ce type de cellules, il y en a 3 dans notre organisme. Les premières, on l'a déjà abordé dans l'introduction, ce sont les cellules souches embryonnaires, donc les cellules qui dérivent de ce petit amas de cellules dans le blastocyte, qui sont vraiment ce qu'on appelle les cellules totipotentes, puisqu'elles peuvent donner un embryon entier. Un autre type de cellules souches, ce sont les cellules souches fœtales. Donc on a beaucoup travaillé avec le foie fœtal, aussi avec le cerveau fœtal, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est très peu utilisé. Et alors, il y a ce dont je vous parlerai plus, qui porte énormément d'espoir, ce sont les cellules souches adultes, qui sont en fait des cellules souches qu'on a dans tous nos tissus. Vous savez certainement que le foie est un organe qui régénère énormément, et donc beaucoup de cellules souches, mais tous nos tissus ont des cellules souches, la peau, le cerveau, la moelle évidemment, et ce sont de ces cellules souches matures et adultes qui sont dans les tissus, donc qui apportent beaucoup d'espoir aujourd'hui. Alors, comme je suis hématologue de formation, dans ces cellules souches adultes, celles qui m'intéressent sont celles qui sont dans la moelle osseuse, donc les cellules souches qui sont capables de donner nos globules rouges, nos globules blancs, nos plaquettes, qui sont en étroite contact étroit avec ce qu'on appelle le stroma médullaire. Et dans ce stroma médullaire, entre la cellule souche et l'os, il y a une petite cellule qu'on a négligée pendant des années, qui s'appelle la cellule stromale mésenchymateuse, dont je vais vous parler plus longuement. Mais avant ça, je vais quand même, puisque on est dans une séance éthique, je vais quand même reprendre les problèmes des différentes cellules souches, en particulier la cellule souche embryonnaire. Donc, vous l'avez compris, ce sont au jour 5, au moment où l'ovule fécondé se sépare en 2 parties, ce sont ces cellules-ci qui ont un potentiel énorme puisqu'elles sont capables, chaque cellule isolément, vous pouvez enlever une cellule, à ce moment-là ça ne va rien changer à l'évolution de l'embryon, ces cellules sont capables de donner l'embryon. Et donc on connaît très très bien ces cellules embryonnaires du point de vue caractéristique de surface, du point de vue caractéristique génétique. Et donc comme c'est une cellule qui a encore toutes les capacités, elle est capable de donner les 3 niveaux de différenciation de notre organisme, donc tout ce qui est cellules de la peau, cellules du cerveau, le mésoderme, c'est tout ce qui est musculaire, en particulier le muscle cardiaque, l'os et la moelle osseuse. Elle est capable de donner les cellules d'origine endodermique comme le tube digestif et le poumon, donc un potentiel. Mais comme cette cellule, elle a une capacité de différenciation énorme, il y a également un danger, c'est que lorsqu'on injecte ces cellules, si on ne les différencie pas ou si on ne les contrôle pas avant de les injecter, vous allez provoquer ce qu'on appelle un tératome. Un tératome, c'est une tumeur avec plusieurs tissus différents, et donc vous pouvez avoir une grosse tumeur dans laquelle vous retrouvez une dent ou un cheveu ou un morceau de foie. Ce sont des tumeurs
épouvantable, vous pouvez l'imaginer, à traiter. Et l'autre problème, dont peut-être le professeur Archer vous reparlera, c'est que travailler avec des embryons, ça implique qu'on va arrêter dans son développement un embryon humain, et donc on stoppe la vie. Donc il y a quelques problèmes éthiques sur lesquels le professeur Archer reviendra, liés à ces cellules embryonnaires. C'est leur origine, donc on arrête le développement d'un embryon. On ne sait pas à quel point cet embryon souffre pas quand on le manipule, mais ce que l'on sait, c'est qu'à partir de la deuxième semaine, le système nerveux central commence à se développer. Donc la loi belge prévoit qu'après 2 semaines, en tout cas la recherche sur l'embryon est totalement interdite. Il y a une induction potentielle de tumeur. On en a déjà parlé, M. Hott en a parlé, c'est qu'en fait l'embryon n'a pas de personnalité juridique, puisqu'il n'est pas encore né, et donc on a dû créer en Belgique un statut à l'embryon et voir comment on pouvait imaginer qu'on utilisait des embryons avoir à des fins de recherche et qu'on allait même envisager leur destruction. Et puis un grand principe humain sur lequel on reviendra certainement, est-ce qu'on peut utiliser un être humain comme matière première. Donc ça c'est pour clôturer le chapitre des cellules embryonnaires. Les deuxièmes cellules qui sont les cellules fœtales, je n'en parlerai pas, elles sont pratiquement abandonnées aujourd'hui, mais ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est le prix Nobel de Groben, un Anglais, et Yamanaka, un Japonais, qui ont reçu le prix Nobel parce qu'ils ont été capables de créer des induced pluripotent stem cells. Qu'est-ce qui se cache devant ce terme compliqué? C'est en fait, il est capable de recréer des cellules qui ont toutes les propriétés d'une cellule embryonnaire, sans être embryonnaire. Donc il repart d'une cellule somatique mature, en particulier d'une cellule de la peau ou une cellule du sang, et par des manipulations génétiques, il réveille totalement, il reprogramme totalement notre ADN, notre patrimoine génétique, et donc les cellules redeviennent pluripotentes. Donc Gordon avait déjà vu chez la grenouille dans les années 50, c'est pour ça qu'il a été associé au prix Nobel, mais Yamanaka a publié ça dans Nature. Et c'est une technique qui, a posteriori, ne paraît pas très compliquée, contrairement à ce qui avait été fait avec Dolly. Vous vous rappelez tous de l'expérience de la brebis Dolly dans les années 90, où tout le monde a crié au scandale parce que c'était évidemment l'ouverture au clonage reproductif. Et la technique était totalement différente. On avait pris une cellule de la peau d'une brebis, on en avait extrait son ADN, et on l'avait mis dans un ovule énucléé, dont on avait enlevé l'ADN. Vous savez que dans l'ovule, on n'a qu'un demi-patrimoine génétique. Et donc, après 600 expériences, ils étaient arrivés à recréer un embryon et une brebis. Mais cette brebis n'avait pas vécu très longtemps parce qu'en fait, elle avait l'âge des cellules de la peau de celle qu'on avait créée. Donc finalement, c'était pas... Et il avait fallu répéter 600 fois l'expérience pour y arriver. Donc ça a été abandonné. En plus, vous savez que la recherche sur le clonage reproductif est totalement interdite dans les pays civilisés, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre japonais? En fait, il est parti d'une cellule de la peau, donc une cellule tout à fait mature. Il l'a transfectée avec 4 gènes, je passe les détails, et il s'est rendu compte que ces cellules se mettaient à proliférer comme des cellules souches, et que ces cellules, il était capable de les différencier en neurones, en cellules du muscle cardiaque, en cellules hépatiques ou pancréatiques. Et donc, il ouvrait la porte à tout un domaine, puisqu'on allait pouvoir recréer des tissus in vitro pour tester des nouvelles drogues, pour tester tous les cocktails de différenciation des différents tissus. On allait pouvoir réparer des tissus sans avoir le problème des cellules embryonnaires. Alors, pour ceux que ça intéresse, comment est-ce qu'avec des cellules de la peau, on peut refaire une cellule embryonnaire? On a bien compris aujourd'hui que les listes de l'ADN, pour être fonctionnelles, doivent être ouvertes. Donc, par exemple, vous savez qu'on a 23 paires de chromosomes. Quand l'ADN est sous forme de chromosome, ça veut dire que cet ADN est au repos. Il est tout à fait condensé, comme une petite pelote de laine. Il se prépare à la division cellulaire, il n'y a plus rien qui travaille. Pour que les gènes soient transcrits et donnent naissance à des protéines, il faut que cette hélice soit ouverte. Et donc, c'est ce que ce japonais a essayé de faire, parce que dans notre peau, toutes les gènes dont on a besoin pour faire de la kératine ou pour faire du collagène sont actifs, mais tous les autres gènes sont silencieux, sont au repos. Si vous êtes dans le foie, vous avez des gènes pour faire de l'albumine, pour faire des facteurs de coagulation, mais tous les autres gènes. Donc, dans chaque tissu, les gènes sont en fait fermés, et seuls les gènes indispensables sont ouverts. Donc, lui a réussi à réouvrir totalement
par sa technique qui joue en fait sur l'épigénétique. Vous entendez beaucoup parler d'épigénétique, mais ce qui fait que notre ADN est recroquevillé, c'est en fait des groupements méthyles et des groupements acétyles qui font aussi toute notre épigénétique. Donc ces cellules souches induites, qui sont obtenues après manipulation génétique de cellules de la peau, se mettent à proliférer et on les appelle les induced progenitor stem cells. Elles sont capables de se différencier en tout. On peut faire des vaisseaux, on peut faire du tissu nerveux, on peut faire du tissu musculaire, on peut même faire, vous voyez, des spermatozoïdes, et on y reviendra dans le débat. Donc cette technique, c'est la raison pour laquelle il y a eu le prix Nobel. On peut faire tous les tissus in vitro, on peut faire des analyses de cocktails importants pour la différenciation, on peut analyser des maladies, on peut tester des drogues, et on peut bien sûr, une fois qu'on a différencié, retransplanter dans un organe malade. Mais une technique qui est beaucoup utilisée, c'est prendre ces cellules pour aller corriger un gène qui est déficitaire. Ça, c'est une des applications qui est déjà le plus avancée aujourd'hui. Et ça fait 50 ans qu'on parle de thérapie génique, mais cette fois-ci, on y est. On peut corriger un déficit en gène par cette technique de cellules induites, les corriger et les réinfuser au patient. Par contre, ce problème-là, de tératome, il reste le même. Donc, si vous prenez des cellules totipotentes comme celle-ci, que vous ne vérifiez pas que votre différenciation vers le tissu que vous voulez est parfaite et qu'il reste des cellules totipotentes, vous ouvrez de nouveau la porte aux tumeurs. Donc c'est extrêmement important quand on joue avec ces cellules d'être sûr qu'on a bien différencié, sinon on pourrait créer des tumeurs. Et bien sûr, la thérapie cellulaire, ça c'est la porte ouverte à tous les jeunes patients qui ont des maladies comme le Parkinson, ou bien ce Superman qui a été devenu quadriplégique après un accident d'équitation. Donc c'est vrai que pour les vendeurs de rêves, la thérapie cellulaire est un marché terriblement lucratif. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui de exactement où on en est. Alors est-ce que ces cellules induites, pluripotentes, posent des problèmes éthiques et non pas le problème qu'on arrête le développement d'un embryon? Donc c'est une raison pour laquelle elles ont toujours énormément de succès, mais elles sont capables d'induire des tumeurs par des proliférations cellulaires incontrôlées, donc on met parfois le patient en danger. Elles ont un potentiel illimité de différenciation. On se retrouve devant un patrimoine génétique qu'on a réouvert avec tous des gènes actifs, avec ce risque de réveil du clonage reproductif. On peut, à partir d'une cellule, refaire un embryon complet et même imaginer un embryon manipulé génétiquement. Donc c'est extrêmement important de mettre toutes les balises quand on travaille avec ces cellules qui sont des pseudo-cellules embryonnaires. Et bien sûr, il y a parfois des différenciations inappropriées quand on est dans les boîtes de culture. Il y a parfois des cellules qui prennent des chemins qu'on n'attend pas. Mais les Américains qui avaient été complètement bloqués dans la recherche sur les cellules souches par Bush, vous pouvez imaginer qu'ils n'étaient pas du tout pour la recherche sur les cellules et sur les embryons. Donc grâce à Obama, les Américains ont rattrapé le retard, puis il a libéré les fonds qui avaient été bloqués pour le NIH en termes de recherche cellulaire. Donc les Américains sont repartis dans la recherche sur les cellules induites. Alors ce dont je vous ai parlé maintenant des cellules pluripotentes, vous avez compris, les cellules tout à fait avec un haut potentiel de différenciation qui sont soit embryonnaires, mais à part pour des techniques de différenciation in vitro, plus personne n'utilise les cellules embryonnaires pour de l'application clinique. Les cellules souches induites qui arrivent à grands pas dans notre pratique médicale. Mais moi, je vais vous parler de ces cellules multipotentes qui sont les cellules adultes souches dans les tissus. Et en particulier, le tissu hématopoïétique, puisque c'est là qu'on a trouvé des cellules avec un potentiel insoupçonné. On sait déjà depuis les années 50 chez la souris que si vous irradiez une souris, vous la greffez avec une cellule, une souris jumelle, la souris va survivre. Si vous n'avez pas cette cellule, évidemment, la souris irradiée va mourir. Donc on savait qu'une cellule était capable de régénérer en quelques semaines toutes les cellules du sang, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, les lymphocytes. Toutes les cellules dépendent d'une seule cellule souche qui avait été très bien caractérisée chez la souris. Il a fallu 20 ans pour caractériser la même cellule chez l'homme,
Mais quand on a voulu faire des transplantations, on s'est heurté au problème de la compatibilité HLA. Et donc, on a réussi à faire des transplantations de moelle que depuis qu'on a caractérisé cette cellule et caractérisé le système HLA qui est aux transplantations, ce que le groupe ABO Rhesus est aux transfusions de globules rouges. Pour faire des transplantations de cellules souches, on doit avoir le typage HLA. Et donc, la première greffe a été réussie dans fin des années 60, et aujourd'hui, c'est une des avancées cellulaires les plus marquantes en termes de thérapie cellulaire, puisque la greffe de moelle, c'est quelque chose qui est de la routine depuis plus de 30 ans. Où sont ces cellules souches médulaires? Bien sûr, au niveau des os. Vous savez tous que la moelle osseuse se trouve au niveau des os, essentiellement les os plats, le bassin, le sternum. Vous voyez ici quelqu'un qui aspire de la moelle au niveau du bassin, quelqu'un qui est couché sur le ventre. La moelle par rapport au sang est un peu plus graisseuse, et vous savez ça, puisque si vous mangez un os à moelle et de la moelle morte, il n'y a plus que les lobules graisseux. La rouge, elle a disparu. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des cellules souches hématopoïétiques dans le sang de cordon, pour la simple raison que chez l'embryon, les cellules hématopoïétiques ne sont pas dans les os. Les cellules sont dans le foie et dans la rate. Et à la naissance, elles migrent. Et chez l'enfant qui vient de naître, les cellules vont s'accrocher au niveau des os. Donc le sang de cordon est une autre source de cellules souches hématopoïétiques, donc qui ont cette capacité de donner les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, tous les différents globules blancs, mais aussi nos lymphocytes T, qui sont l'antimus, et les lymphocytes B, qui produisent nos anticorps. Mais à côté de cette cellule hématopoïétique, je vous l'ai déjà dit, il y avait une petite cellule de soutien dont personne ne se préoccupait, qui est la cellule stromale mésenchymateuse, qui est extrêmement importante pour la différenciation de toutes ces cellules et pour d'autres choses. Alors, comment se passe une greffe de moelle? Assez rapidement, mais le patient est dans sa chambre stérile, préparée. On a éradiqué toutes ces cellules de maladie, ou si c'est un patient qui a une moelle vive pour une autre raison, il est en isolement. Le donneur ne donne plus la moelle par des ponctions de moelle, mais donne la moelle aujourd'hui par des techniques de récolte de cellules souches. On a des laboratoires de haute stérilité avec beaucoup de contrôle pour vérifier la qualité de la moelle qui a été prélevée. Et si le donneur est un frère ou une sœur, la moelle est immédiatement réinjectée en intraveineux. Ça, c'est la merveille de la technique. Vous les prenez, vous les faites sortir de la moelle, vous les récupérez dans le sang, vous les remettez comme du sang et ça se remet dans les os parce qu'il n'y a que dans les os que les cellules souches vont trouver le micro-environnement qui leur est favorable pour se développer, s'incruster et toutes les autres cellules vont être éliminées par la rate. S'il s'agit d'un sang de cordon, on a maintenant des machines full automatiques pour stocker les sangs de cordon des mamans qui acceptent de le donner. Et si on a un excédent de moelle du donneur, ou si la moelle n'est pas utilisée, elles sont stockées pendant 30 ans, on a des dizaines de cuves dans notre cadre avec des moelles du patient. Donc c'est une technique qui est tout à fait au point. La technique de sang de cordon, donc voilà la premier patient qui a été greffé déjà en 1987, donc juste pour vous montrer que c'est possible, on peut faire une greffe d'un enfant qui avait une maladie de Fanconi, irréversible, traité par une greffe de moelle qui est toujours vivant aujourd'hui. Et les pays qui n'ont pas de grande famille, comme le Japon, où il y a souvent des familles avec un seul enfant, pas de frère, pas de sœur, qui ne trouvent pas de donneurs dans les banques de donneurs, vous voyez que ça représente, les sangs de cordon représentent un tiers de l'activité de transplantation. Donc c'est quelque chose qui a bien évolué, mais surtout dans les pays où il n'y a pas beaucoup de donneurs. Quand on fait des transplantations, on est dans la thérapie cellulaire entre patients, frères et sœurs, mais parfois entre donneurs. Et parfois, on va chercher un cordon à New York ou bien nous, on envoie un cordon en Tasmanie. Donc, ce sont des cellules qui bougent beaucoup. On a des régulations, des réglementations européennes, des réglementations américaines. Ça, c'est l'organisme qui contrôle toute la qualité pour les sangs de cordon. Pour tout ce qui est procédure, les standards de qualité, les requis techniques, la traçabilité, les effets secondaires. Donc, tout ça a été implémenté dans une loi en Belgique et contrôlé par l'Agence fédérale des produits manipulés, et on a également l'agrément européen. Donc tout ça doit se faire dans des garde-fous et s'assurer que si l'on chipote avec des cellules, il faut qu'on ait au moins toutes les assurances que ça va fonctionner, que la qualité. Donc j'en arrive à ma petite cellule, que ce soit dans la moelle ou dans le sang de cordon. Donc la cellule mésenchymateuse, qui est la cellule de soutien,
pour la cellule hématopoïétique, c'est elle qui donne les signaux pour qu'on ait des globules rouges quand on en a besoin, qu'on ait des plaquettes quand on en a besoin. Mais on s'est rendu compte que cette cellule de soutien est en fait entre la cellule hématopoïétique ou l'os. Et l'os, c'est elle qui fait la trame de notre tissu hématopoïétique. Et cette cellule est capable de réparer l'os, elle est capable de réparer le cartilage, elle est capable de réparer les tissus adipeux. Et même si on la met dans des milieux conditionnés tout à fait spécifiques, on peut la faire évoluer en neurones. Bon, on n'a pas encore des neurones qui font des synapses, mais on peut faire des neurones. Donc, c'est une cellule qui avait un potentiel tout à fait insoupçonné, et vous pouvez imaginer que cette potentialité de faire des os, de faire du cartilage, de faire des cellules hématopoïétiques, ou des plaquettes, ou des globules rouges, a été exploitée. Et donc, dans la deuxième partie, je vais vous parler des recherches qui ont été faites avec cette cellule, qui, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a eu un gros congrès en 2006 sur la médecine régénérative, parce que cette cellule a été bien caractérisée en 2006. Et vous voyez ici le mythe de Prométhée avec l'aigle qui dévore le foie de Prométhée parce qu'il a osé donner le feu aux hommes. Et je compte bien sur Guy Archer pour nous philosopher sur le fait de donner la connaissance à l'homme et de voir son foie régénérer. Voilà. Ici, c'est un vieux graphique que j'ai trouvé qui remonte aux années 14, mais c'est juste pour vous montrer toutes les cellules que je viens de vous citer, les cellules embryonnaires, les cellules mésenchymateuses, les cellules induites et toutes les cellules de notre système immunitaire dont font l'objet aujourd'hui d'énormément d'études cliniques, et les centres n'arrêtent pas d'exploser. Rien qu'au Japon, il y a 160 centres depuis le prix Nobel, ils ont 160 centres de thérapie cellulaire, ils veulent dominer le monde en thérapie cellulaire. Et les maladies qui sont les plus ciblées, ce sont le cancer, mais plus par l'immunothérapie, la manipulation de notre système immunitaire, suivi immédiatement des maladies neurologiques, dont Parkinson, les dégénérescences, les maladies musculo-squelettiques, comme les maladies du Duchenne, ou les sclérose latérale amyotrophique, les ischémies cardiaques ou cérébrales, et aussi les dégénérescences maculaires. Donc beaucoup de maladies pour lesquelles les patients n'ont pas d'espoir. Donc les cellules mésenchymateuses, donc cette petite cellule de soutien que vous reconnaissez, donc elle est à la frontière entre les cellules hématopoïétiques et l'os, et donc elle est tout à fait très facilement capable de donner des ostéoblastes pour faire de l'os, des adipocytes pour faire de la graisse, des cellules qui font du cartilage et des cellules qui font le stroma, mais elle est aussi capable, comme je vous l'ai dit, dans certains milieux, d'induire des neurones ou des cellules musculaires cardiaques. Elle a été décrite il y a très longtemps, mais ce n'est qu'en 2006 qu'elle a vraiment été bien caractérisée, et c'est depuis lors que toutes les recherches sur cette cellule ont explosé. Donc c'est une cellule plastique, ça veut dire qu'elle peut donner différents tissus, elle a des capacités de différenciation qui sont importantes, même si c'est certainement les cellules du mésoderme qui sont les plus faciles à obtenir, mais cette cellule est aussi la cellule de soutien de l'hématopoïèse. Sans elle, une moelle ne peut pas se différencier, c'est elle qui lui donne ses facteurs de croissance et tous les signaux nécessaires pour sa différenciation. Et elle a également quelque chose qui est récemment découvert, des propriétés immunomodulatrices. C'est une cellule qui est capable, selon le milieu où elle est, soit de stimuler notre système immunitaire, soit de le rendre tolérogène, et donc ça c'est parfois un effet, vous allez voir, qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, pour résumer, la cellule mésenchymateuse, on la trouve dans la moelle osseuse, dans le cordon, dans les tissus adipeux. C'est une cellule très bien caractérisée sur le plan des antigènes qu'elle doit exprimer et de ceux qu'elle ne doit pas exprimer. Par la différenciation, on peut la différencier en différents tissus. C'est une cellule qui a des propriétés immunomodulatrices, donc dans un milieu non inflammatoire, elle va aller stimuler nos neutrophiles et nos lymphocytes, mais dans un milieu inflammatoire, qui sont souvent présents dans les maladies auxquelles on s'attaque, dans des milieux inflammatoires, elle a un effet tout à fait pervers, c'est qu'elle va aller empêcher nos cellules naturellement tueuses de fonctionner, elle va empêcher nos sentinelles de lymphocytes, nos cellules dendritiques, qui sont les sentinelles qui détectent les corps étrangers, elle va les empêcher, et elle va stimuler nos lymphocytes T régulateurs, qui sont des lymphocytes T tolérogènes. Donc ça peut avoir un intérêt, mais par contre, dans le domaine des tumeurs,
si vous injectez pour régénérer un tissu une cellule qui va diminuer le système immunitaire, vous allez favoriser la croissance de la tumeur. Donc il faut faire très attention aujourd'hui, quand on utilise ces cellules, de penser à tous ces effets paracrine. Et un autre effet qui est dangereux, ça peut être utile, c'est que ces cellules sont capables de stimuler la production de micro-vaisseaux, ce qu'on appelle l'angiogénèse. Alors c'est très bien quand on injecte dans une zone infarcie où on veut revasculariser au plus vite, mais dans une tumeur, les tumeurs adorent les petits vaisseaux et donc ça va favoriser la prolifération. Donc il faut être très prudent dans l'utilisation de ces cellules. Notre groupe a beaucoup travaillé sur l'immunomodulation et donc avec deux PhD, mais surtout Laurence qui a reçu il y a à peine deux semaines un prix de l'Académie pour tous ses travaux sur l'immunomodulation, je ne sais pas, une septantaine de travaux, donc énormément de publications, je la remercie d'être là aujourd'hui. Donc c'est grâce à elle qu'on a travaillé, qu'on a appris à comprendre ces cellules et leur pouvoir régulatoire, mais on ne s'est pas contenté de travailler au laboratoire. Avec le professeur Meulemann, on a travaillé aussi sur les capacités de ces cellules de pouvoir corriger, je vous ai dit, des déficits enzymatiques. Donc on a fait une transplantation chez une jeune adolescente qui avait une leucodystrophie métachromatique, une maladie où les globules blancs ne fonctionnent plus, il y a une enzyme qui ne fonctionne plus, il y a des dépôts de lipides, et puis finalement, ces dépôts de lipides entraînent des troubles neurologiques et des dysfonctionnements des globules blancs. Donc on a pu la traiter par une greffe de moelle avec cellules mésenchymateuses. On a aussi utilisé ces cellules mésenchymateuses pour aider des greffes qui prenaient difficilement. Et on a même, avec le professeur Van den Bosch à Saint-Pierre, on a même fait des injections intracoronaires de cellules souches chez deux patients qui avaient eu un infarctus du myocarde. Et vous voyez l'infrastructure que ça demande avec la scopie pour vérifier si on est bien dans les coronaires, tous les contrôles de qualité, la stérilité. Donc les deux patients vont bien. Malheureusement, l'étude a montré après 2-3 mois un bénéfice dans la fraction d'injection. Donc le cœur avait récupéré plus vite, mais en termes de survie, ça n'avait rien changé pour toute la population, traitée ou non traitée. C'est vraiment une étude randomisée. Et donc ça a été arrêté. C'est beaucoup trop cher pour ne pas changer la survie du patient. Donc toutes ces études pour les infarctus sont actuellement arrêtées. Il y a d'autres cas de maladies, les plus vieux d'entre nous se rappelleront peut-être de Michel Petrucciani qui était atteint par une maladie qui est l'ostéogénèse imparfaite avec une mutation qui entraîne un déficit en collagène avec une déformation osseuse. Donc aujourd'hui, si on détecte la maladie in utero, on peut faire une greffe de cellules mésenchymateuses qui vont corriger le déficit et avoir dans 5 cas sur 6 une amélioration de la formation osseuse chez ces enfants. Et donc la liste d'exemples est très très longue et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de passer en revue tout ce qui a été fait. Mais donc les types de maladies auxquelles on pourrait imaginer s'attaquer avec cette médecine régénérative, ce sont évidemment les maladies dégénératives, toutes les maladies neurologiques, les maladies osseuses, la dégénérescence maculaire. Et là, malheureusement, il n'y a encore aucune étude concluante aujourd'hui qui permet de montrer qu'on est capable de faire des neurones qui font des synapses et qui fonctionnent, qu'on est capable de régénérer plus rapidement que la nature des lésions osseuses après des ostéonécroses ou après des fractures qui récupèrent mal ou après des problèmes d'ostéoporose sévère. Et la même chose dans les dégénérescences maculaires, qui est une maladie très fréquente dans la population vieillissante. Donc il y a énormément de données animales qui étaient très prometteuses. Les études sont toujours en cours, donc les études ne sont pas arrêtées. Là où elles sont peut-être le plus avancées, c'est pour le métabolisme osseux. Donc là, il y a déjà des brevets et certaines autorisations données aux États-Unis, mais pour le reste, tout doit se faire dans le cadre d'études cliniques. Là où on est peut-être le plus avancé, où il y a une certaine liberté, c'est dans les déficits enzymatiques liés à un déficit génétique, que ce soit des maladies du foie. On a d'ailleurs en Belgique une célèbre laboratoire qui s'occupe de la médecine régénérative pour des maladies de l'enfant qui ont des déficits génétiques. La peau, il y a une publication récente aussi sur des dermatites bulleuses et les maladies de la moelle, comme je vous l'ai dit.
Les maladies auto-immunitaires sont aussi une cible. Maintenant qu'on sait que ces cellules ont un potentiel immunosuppresseur, et donc il y a des études dans le diabète, dans les hépatites chroniques. Alors dans les infarctus myocardiques ou cérébraux, je vous l'ai dit, il y a énormément d'études qui ont été lancées. Aujourd'hui, à part au Japon, je crois que toutes les études sont arrêtées. Au Japon, ils continuent de travailler sur les cellules induites et les infarctus myocardiques et les infarctus cérébraux. Et les traumatismes, donc les sections de la moelle épinière, aucune donnée à ce jour. Les brûlures commencent à y avoir. Par contre, le cartilage, là, il y a beaucoup. Il y a des produits brevetés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Là, il y a maintenant des produits qui sont sur le marché et qui ne sont pas encore remboursés, évidemment, mais qui sont disponibles pour les... Là, il y a des études plus convaincantes pour le cartilage. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Parce que ça fait quand même plus de 10 ans, même 15 ans, qu'on fait des études avec ces cellules mésenchymateuses. C'est parce qu'en fait, on a cru naïvement que ces cellules ayant des capacités de différenciation, si on les mettait dans un milieu abîmé, elles allaient simplement se différencier et corriger le déficit. Mais ce qui se passe in vitro est beaucoup plus compliqué. En fait, je vous l'ai dit, ces cellules mésenchymateuses, ce sont des facteurs de croissance pour les cellules du micro-environnement, donc elles peuvent favoriser des cicatrices avec des fibroses. Elles stimulent la néoangiogénèse par les cellules endothéliales, donc elles peuvent favoriser les tumeurs. Elles stimulent la différenciation cellulaire, ça c'est le côté positif, donc c'est ça qui fait qu'elles vont peut-être régénérer. Et elles ont un effet aussi sur l'immunomodulation, donc dans certains cas c'est bon, dans d'autres cas ce n'est pas bon. Et chaque cas doit être analysé individuellement. Alors, est-ce que ces cellules ont des problèmes éthiques? Évidemment, beaucoup moins, parce qu'on est souvent en autologue, mais quelle que soit l'expérimentation avec la thérapie cellulaire, même si on est en autologue avec des cellules qui sont peut-être moins menaçantes, il faut respecter les 5 grands principes de toute expérimentation humaine. Il faut que l'étude soit pertinente, ça veut dire que on doit contribuer au progrès de la science, il faut que l'étude soit scientifique, ça veut dire que la méthode est rigoureuse, il faut que l'étude soit bienfaisante, ça veut dire qu'on a bien pesé le bénéfice-risque pour les patients, il faut que le patient, l'étude soit en accord avec l'autonomie du patient, ce qui veut dire que le patient a été informé et qu'il a donné son consentement, c'est ce qu'on appelle un consentement éclairé, il faut que le protocole d'étude ait été analysé par un comité d'éthique indépendant qui donne son accord sur le processus. Donc aujourd'hui, toute expérimentation doit se faire avec le respect de ces 5 principes. Alors avant de passer à la recherche, je vais balayer quelques cas et où on va discuter effectivement de la différence entre ce qui est scientifique, ce qui est éthique et ce qui est permis en Belgique. Et donc je commence par un cas de drépanocytose. Drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges qui, quand on est porteur à 50%, on n'est pas malade. Par contre, si on est porteur à 100%, ce sont des enfants qui ne vivent pas plus longtemps que 30, 40 ans et qui sont tout le temps sous transfusion. Donc c'est une maladie très, très grave. Quand on peut l'éviter à la naissance, on essaye de le faire. Donc, vous savez que si on a, comme les petites souris blanches et les petites souris noires, si on a un père et une mère, on a une chance sur 4 qu'il hérite de la partie pas malade, une chance sur 4 qu'il hérite de la partie malade, et 2 chances sur 4 qu'il soit porteur lui aussi de la maladie. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'éviter ces 3 situations-là. Donc, dans les cas où les parents sont porteurs de la maladie mais pas malades, donc, on peut proposer une fécondation in vitro, sélectionner par des analyses génétiques l'ovule fécondé qui n'est pas porteur de la maladie, et puis faire une réimplantation chez la maman de l'ovule qui va donner l'enfant pas malade. Est-ce que scientifiquement ça vous paraît correct? Oui. Est-ce que éthiquement ça vous paraît correct? Et est-ce que vous pensez qu'en Belgique c'est permis? Oui, bien sûr. En Belgique, vous allez voir qu'on a beaucoup d'avance en bioéthique par rapport à d'autres. On voit tout ce qu'on peut faire en Belgique du moment que c'est sous contrôle. Bien sûr, c'est vrai que si on peut éviter d'avoir des enfants malades ou des enfants porteurs simplement par une sélection, on va le faire. Et donc ça se fait en Belgique.
Alors, je complique un peu la situation, donc la même situation, mais la maman est HIV positive. Vous savez qu'aujourd'hui, les HIV ont la même espérance de vie que les autres. Le papa n'a pas du tout envie de prendre un risque d'être contaminé, mais il veut un enfant et ils sont tous les deux porteurs de cette même anomalie des globules rouges. Donc on peut faire la même chose, on peut prendre les spermatozoïdes du papa, l'ovule de la maman, faire une fécondation, sélectionner l'enfant et le réimplanter chez la maman qui est HIV positif. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît scientifique? Oui. Est-ce que ça vous paraît éthique? Oui. Oui, parce qu'on ne va pas faire un petit orphelin, hein. La maman elle a la même espérance de vie que nous. Et est-ce que c'est permis en Belgique? Oui. Donc on peut faire des fécondations in vitro aujourd'hui chez des patients d'HIV, à condition bien sûr qu'elles soient compliantes avec leur traitement, qu'elles prennent leurs médicaments. Si c'est pour faire un petit orphelin, ce n'est pas nécessaire. Alors je vais encore compliquer la situation. Donc cette fois-ci, les parents ils sont tout à fait sains. Ils ont un enfant qui a une leucémie lymphoblastique, et vous savez que la leucémie lymphoblastique c'est un des fleurons des cancérologues, on en guérit 85%, malheureusement cette petite elle est dans les 15% réfractaires, donc elle a déjà eu deux traitements et l'hématologue dit aux parents, on n'a pas trouvé, elle n'a pas de frère et sœur, elle n'a pas de donneur dans le registre, il n'y a pas de cordon compatible. Et donc le médecin dit, c'est dommage qu'elle n'a pas de petit frère ou de petite sœur, parce qu'on pourrait avoir un petit frère ou une petite sœur qui est compatible pour faire une transplantation de cordon. Et donc les parents ils disent, bah, c'est pas grave, on va faire un petit frère et une petite sœur, comme ça on va pouvoir la guérir. Et donc le médecin décide que si on fait un petit frère ou une petite sœur, il faut absolument que ce soit le bon, parce qu'il a une chance de garder. Il n'a qu'une chance sur quatre. Donc, qu'est-ce que les médecins proposent? C'est de prendre les ovocytes, les spermatozoïdes, de sélectionner l'embryon qui va devenir celui qui est compatible. Au moment de la naissance, on s'occupe du bébé, on garde son cordon, on prend le sang du cordon et on a comme ça un sang de cordon tout à fait compatible pour guérir la petite sœur qui a une leucémie. Est-ce que scientifiquement ça vous paraît correct? Est-ce que éthiquement ça vous paraît défendable de faire un bébé pour guérir la petite sœur? C'est bien plus compliqué. Hein? Et donc, est-ce que c'est autorisé en Belgique? Donc en fait, ce sont les Anglais qui ont fait les premiers essais. Donc c'était un couple anglais. Et on a crié évidemment au scandale, comme vous. On a crié au scandale en disant que c'est tout à fait impossible de faire un bébé médicament et de sélectionner un bébé dans le cordon. Mais si on n'avait pas fait, qu'est-ce qu'ils font les parents aujourd'hui? Ils font un enfant et ils vont avoir celui-là, qui va arriver quand l'autre enfant est malade, qui est un enfant qui va être une charge, tandis que celui-là, ça va être un enfant roi, qui arrive pour sauver son petit frère. Il faudra bien lui expliquer. Donc aujourd'hui, c'est permis en Angleterre, c'est permis en Belgique, c'est permis dans les pays nordiques, mais c'est interdit partout ailleurs dans le monde. Donc il y a trois pays où c'est permis de faire ce genre de choses. Il faut effectivement, comme je l'ai entendu, il faut un bon psychologue, parce qu'il faut expliquer à cet enfant qu'il a été effectivement conçu pour sauver sa petite sœur. Il va devoir vivre avec ça, mais... Donc le recul montre que c'est gérable. Il y a d'autres secrets de famille peut-être plus difficiles à porter que ça. Et donc en Belgique, c'est permis. Alors maintenant, on arrive au sang de cordon. Donc vous avez entendu que dans le sang de cordon, et donc je me suis beaucoup battue pour ces banques publiques, donc demander aux mamans, puisque le placenta, vous savez qu'il va à la poubelle, on n'en fait même plus des produits de beauté, on n'ose plus aujourd'hui, donc il va à la poubelle. Et donc on a créé en Belgique des banques publiques de sang de cordon, surtout pour les ethnies plus rares, ou les mélanges. Quand on a des mélanges d'ethnies, c'est très difficile d'avoir des donneurs. Et donc on essayait d'avoir les cordons. Mais alors, il y avait des mamans qui disaient, oui, mais si ça peut être utile, si on va pouvoir régénérer mes cellules pour mon Parkinson ou le genou de mon fils, il devient footballeur aussi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le garder pour moi? Et donc, c'est installé en Belgique, y compris des banques privées. Qui est-ce
qui pense que les banques privées doivent être autorisées. Quand la maman a le droit de garder le cordon pour son propre bébé et en disant bah, je paierai, moi c'est pas grave, je paierai, mais je ne veux pas le mettre de manière à le livrer à la banque. Qui pense qu'il ne faut que des banques publiques? Que des banques publiques. Qui pense qu'il faut laisser la porte ouverte aux deux? Je ne vous pose pas la question. J'espère qu'il n'y a personne qui pense qu'il ne faut que des banques privées. Et donc voilà. Voilà la réponse. Vous allez avoir la réponse. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'opposition, évidemment. Mais on y est arrivé en Belgique. Donc les banques publiques sont basées sur le principe de solidarité. Les bénéfices sont prouvés. On a un certificat de qualité. Vous avez vu le nombre d'agréments dont on doit faire preuve pour garder des cordons dans des banques. Il n'y a pas de profit, c'est de l'argent public. Au début, en Belgique, c'était payé par le Télévis. Maintenant, c'est payé par le ministre de la Santé. Il y a une continuité, puisque ces 100 cordons ne vont pas disparaître. Ils sont accessibles à tout. Une fois qu'ils sont dans la banque, ils sont anonymisés, ils sont accessibles. Et il y a un registre national qui est en communication. Par contre, les banques privées, donc là, on postule que le cordon de l'individu lui-même est meilleur que le cordon d'un autre, ce qui n'a jamais été démontré. Que l'allogreffe, donc une autre personne, est meilleure, est moins bon que son propre cordon. On pense même l'inverse, que si le cordon n'est pas bon, si le patient est malade, son cordon n'est peut-être pas bon non plus. Les bénéfices ne sont pas prouvés, on n'a aucun contrôle de qualité, de traçabilité. Donc comme le but est essentiellement de faire du profit, nous on ne stocke des cordons s'ils font 80 ml minimum. Dans ces organismes-là, si vous avez 20 millilitres, ils sont contents. Du moment qu'il y a quelque chose dans la banque, que la patiente paye, ils sont contents. Donc il y a des inégalités sociales parce que vous ouvrez la porte, évidemment, aux gens qui peuvent se payer et aux gens qui ne peuvent pas se payer. Et ce qui m'avait totalement convaincu qu'il faut se battre, c'est que j'avais un jour vu dans la petite liste de naissance une maman qui ne pouvait pas se permettre de payer et qui avait demandé de ne pas payer de maxi-cosi, pas payer de chaud-biberon, mais de mettre de l'argent pour son cordon. Je dis non, là, c'est pas possible. Et donc, c'est totalement, on est allé se battre au niveau du Sénat. Et donc, ils ont dû quitter la Belgique. Mais c'est là que vous allez voir que l'éthique n'est pas la même dans tous les pays. Et donc, en Europe, il y a trois centres, l'Italie, la France et la Belgique, qui ont été catégorisés qu'il n'y a pas de place pour les banques privées, sauf si c'est pour une raison de maladie familiale démontrée. Donc, il reste quelques cordons dirigés en intrafamilial. Mais sinon, c'est uniquement lié à des institutions académiques pour la Belgique et à des institutions publiques pour la France. La communauté européenne est restée très vague. Donc tout le monde peut avoir sa banque à condition qu'ils aient un agrément. Et les États-Unis sont encore plus vagues. Il suffit d'enregistrer son registre à la FDA. Et donc vous voyez ici la solidarité aux États-Unis. Donc 5 fois plus de banques privées que de banques publiques. En Europe, les banques publiques dominent, mais en Asie, en Australie, vous voyez qu'en Australie, c'est le même rapport. Donc, l'être humain n'est pas solidaire. Je crois que vous saviez déjà ça. Alors, l'avant-dernier cas. Donc, je vous ai parlé du japonais qui avait découvert donc, des cellules capables de régénérer. Donc, il avait publié en 2014 une étude où il démontre que ces cellules, il peut les différencier en cellules rétiniennes, les injecter, et que ça va aller restaurer donc le tissu qui a été abîmé par une chimie, par un hématome. Il avait publié avec ses IPS qu'il pouvait corriger donc une dégénérescence au niveau de la macula. Et puis ils ont arrêté. Par contre, il y a des centres qui ont vu de l'occasion de s'enrichir. Et donc, ils ont commencé à faire ce genre de traitement chez des patients sans filet. Alors, à ce moment-là, est-ce que cette étude était pertinente? Bien sûr. Est-ce qu'elle était scientifique? Bien sûr. Est-ce qu'on parlait bien du patient? Bien sûr. Est-ce que le patient donnait son autorisation? Donc tout ça avait été fait dans les règles de l'art, mais les Japonais avaient arrêté, on ne savait pas très bien pourquoi. Et donc en Californie, qui n'est quand même ni la Chine ni la Lettonie, 3 patientes ont été se faire injecter des cellules pour une dégénérescence maculaire et les 3 sont devenues aveugles. Alors, où est le problème? Le problème, c'est qu'on n'était pas dans une étude clinique. Donc, les patients ont signé un informed consent, mais à aucun moment il n'était mis que c'était une étude. Donc, faites attention, si on vous soumet à des traitements, vous vous en signez un consentement, parce que là, vous signez que vous acceptez un traitement. Donc, juridiquement, la personne qui le fait, il est protégé. Mais vous n'êtes pas protégé. Et donc,
Ils avaient signé un document, mais sans preuve que c'était une étude. Ils avaient payé, une étude n'est jamais payante, ils avaient payé le médecin pour le faire. Ils avaient injecté directement les deux yeux, ce qu'on ne fait jamais dans l'expérimentation, parce que même dans les cataractes, on fait un œil à la fois. Donc tout était faux, et les trois pauvres personnes. Donc il faut effectivement se rappeler que dans la thérapie cellulaire, on peut participer à des études, il faut faire progresser la science, mais il faut toujours bien être attentif, que ça doit être gratuit. Il faut qu'on soit informé que c'est dans une étude et qu'on fait ça dans les règles de l'art. Et là, le dernier exemple pour vous montrer qu'on approche de la science fiction et qu'il faut laisser la recherche avancer. Et malgré tout ce que je vous ai dit, je suis sûre qu'on va y arriver à faire des cellules qui régénèrent nos tissus. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'on sait que les cellules, les lymphocytes sont importants pour éliminer les tumeurs. On fait tous des tumeurs, on a besoin de ces lymphocytes et son système immunitaire. Plus on vieillit, moins nos lymphocytes sont efficaces, plus on fait de tumeurs. Et donc on avait démontré chez la souris que si on prend un lymphocyte et qu'on lui donne trois armes, c'est-à-dire qu'on le rend spécifique de la tumeur qu'on veut cibler, on lui met un gène d'activation et de stimulation et on lui met un gène de prolifération qui fait que la cellule ne va pas mourir, eh bien, chez la souris, on était arrivé sans chimiothérapie à faire régresser totalement des tumeurs. Et donc, on a proposé ça chez l'homme. Donc, d'un point de vue pertinence, évidemment, c'est une technique extraordinairement sophistiquée. On prend les lymphocytes du patient. Par des techniques de génie génétique, on injecte trois gènes qui vont rendre la cellule spécifique, immortelle et proliférative. Donc, c'est vraiment un missile de première catégorie. On va l'amplifier et on va le réinjecter au patient. Donc ils ont proposé ça à une petite fille qui avait une leucémie lymphoblastique qui exprimait ce marqueur CD19. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut faire? C'est une petite fille qui avait une leucémie. Et donc ça s'est fait aux États-Unis dans un cadre très très réglementé. Mais donc cette petite fille qui était en rechute après 2-3 traitements, elle avait 6 ans, elle a fêté ses 7 ans, elle a fêté ses 8 ans, elle vient de fêter ses 13 ans. Et toutes les études montrent que les résultats avec ces traitements dans des leucémies réfractaires sont spectaculaires, mais au prix d'une toxicité énorme. Ils passent tous en réanimation avec de la température, des œdèmes, des tachycardies, des problèmes neurologiques. Donc c'est un traitement, on injecte des milliards de cellules, donc on va provoquer vraiment une tempête cytokinique dans l'organisme, mais dans ces cellules, il y en a une qui va persister, et donc chez cette petite fille, maintenant, on détecte encore des cellules immortelles qui sont le garant du maintien de la leucémie. Elle a fait la une de tous les journaux, ce traitement est tellement efficace que vient d'arriver en Belgique, 360 000 euros, et il est remboursé. Je vais maintenant passer la parole à Guy, qui va avoir du travail. Pourquoi la bioéthique ? Vous connaissez tous le code de Nuremberg, la déclaration d'Helsinki, le comité consultatif, la loi sur l'expérimentation et la loi. Tout ça est indispensable parce qu'Einstein l'a dit avant de mourir. L'espèce humaine commet des erreurs auxquelles elle doit remédier avant qu'il ne soit trop tard. Et pour terminer avec De Duve, qui est un homme que je respecte beaucoup, il a dit que ce n'est pas dans nos gènes la sagesse, et donc il faut la chercher dans son livre sur la génétique du péché originel. Et donc on a créé des comités de bioéthique parce que les êtres humains ne sont pas sages, ne sont pas solidaires. Et dans ces comités de bioéthique, il y a des philosophes et il y a des juristes. Et on va donner la parole à quelqu'un qui a ces deux qualités aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonsoir. On m'a donc donné la mission assez redoutable, je dois le dire, de tirer un certain nombre de conséquences éthiques de ce que vient de nous montrer Dominique en ce qui concerne, je dirais, l'état actuel de la recherche, des applications, de l'usage des cellules souches. Alors, je voudrais d'abord essayer de planter le décor. Vous savez tous que quand on parle d'éthique et de technique en général, on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous prenez d'un côté les buts que vous vous proposez dans la vie, donc c'est bien plus large que la technique, bien plus large évidemment que la technique des cellules souches, vous pouvez vous donner des tas de buts et essayer d'utiliser votre raison pour y arriver.
maintenant, à un certain moment, vous devez vous arrêter. Non pas parce que le moyen que vous utilisez ne serait pas efficace pour arriver au but, mais parce que ce moyen, en tant que tel, contredit une valeur importante. Et donc, de ce point de vue-là, la notion d'éthique, c'est-à-dire ces valeurs qui, à un certain moment, peuvent entrer en conflit avec une action ou un moyen même efficace sur le plan technique, c'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, Dominique a parlé, tu as mentionné juste à la fin de ton exposé le code de Nuremberg, et ce code de Nuremberg a été établi après le procès des médecins nazis à Nuremberg, qui, dans leurs expérimentations d'une cruauté terrible, sont peut-être arrivés à des résultats, je n'en sais strictement rien, et même s'ils étaient arrivés à des résultats, cela aurait été impensable, étant donné ce qu'ils ont fait à des patients, à des enfants, comme moyen, utilisé comme moyen pour arriver à leur fin. Donc, évidemment, on part de quelque chose d'abominable, et il n'est pas du tout question de ça ici, mais quelque part, avec, depuis les années 1960, 1970, 1980, le développement des techniques, des biotechniques et des instruments que l'on pouvait utiliser pour soigner, mais éventuellement aussi transformer la nature humaine, et la limite est parfois très floue, on s'est dit qu'il fallait effectivement une réflexion éthique, structurée, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des comités d'éthique, et donc la bioéthique, le mot bioéthique est né, bien que la bioéthique soit plus vieille sans doute que le mot, la chose existait avant le mot. Alors, ce qui est important à noter aussi, c'est que il n'est pas question dans une société contemporaine comme la nôtre, qui est une société pluraliste, de développer une éthique personnelle et de vouloir l'imposer au reste de la société. Il faut distinguer, quand on parle d'éthique, ce qu'on appelle les raisons privées et les raisons publiques. Les raisons privées, ce sont des raisons qui peuvent convaincre des gens qui appartiennent au même groupe que vous, qui partagent les mêmes prémices, éventuellement les mêmes croyances. Alors évidemment, si vous dites à ces gens-là que une pratique ou une technique est contraire à ce que veut un Dieu auquel vous croyez tous les deux, ça ne posera pas de problème. Mais ça restera privé, ça restera entre vous. Et sauf à supposer que vous imposiez votre religion au reste de la société, ben, ça ne convaincra pas ceux qui ne partent pas des mêmes prémices et qui n'ont pas les mêmes croyances. Donc l'idée d'une raison publique, c'est une raison que vous donnez et qui peut être accessible à tout individu voulant réfléchir au-delà des croyances particulières, de ses engagements spirituels, de son athéisme, agnosticisme, croyance en telle ou telle religion. C'est ça les raisons publiques. Et ces raisons publiques, elles sont essentielles dans une société, je dirais, laïque comme la nôtre. Et donc, très souvent, le combat qui a été fait contre un certain nombre de défenseurs d'éthique privée était justement, je pense à l'avortement, etc., était justement parce que un certain nombre de personnes voulaient généraliser ou imposer une conception qui peut être respectable en tant que telle, mais qu'ils voulaient imposer au reste de la société. Donc il faut utiliser des raisons publiques. Mais attention, les raisons publiques sont des raisons qui peuvent parfois être des prétextes qui cachent en fait derrière des raisons privées. Si vous prenez les manifestations qui ont eu lieu tout à fait récemment, ça concerne la technique, la PMA, on n'en est pas aux cellules souches, enfin c'est quand même une technique qui est contestée en particulier par le Vatican, par l'Église. Vous aviez des manifestants effectivement qui affirmaient leur raison privée en disant c'est Dieu et on ne peut pas intervenir dans le processus de procréation, c'est une façon justement prométhéenne, c'est-à-dire avec cette idée de Prométhée comme étant l'homme de la démesure qui veut manipuler et dominer la nature alors que la nature a été créée par Dieu. Donc, si vous avez cette idée-là, vous avez des gens dans le cortège, ils ont été interrogés. C'était le cas pour la manif pour tous précédemment, donc le mariage homosexuel. C'est le cas maintenant pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux femmes homosexuelles, aux couples homosexuels. Eh bien, vous aviez certains qui tenaient ces arguments-là, et c'est des arguments pour eux qui n'iront pas plus loin que ceux qui adhèrent à leurs croyances. Et puis, souvent, vous aviez des raisons publiques.
l'idée de dire que c'était très mauvais pour les enfants, qu'un enfant avait besoin d'un père réel et d'une mère réelle et d'une famille traditionnelle pour être structuré et pour accéder à une vie satisfaisante, ce qu'on appelait en philosophie grecque la vie bonne. Et donc, quelque part, ça, ce sont des raisons publiques, parce que tout le monde est sensible à ça. Tout le monde veut éviter que les enfants soient dans une situation qui soit une situation moins bonne que ce qu'on pourrait faire sans légiférer, par exemple. Et donc, très souvent, dans ces questions éthiques, il y a une sorte de double niveau. Il faut faire attention à ce qu'un certain nombre de raisons publiques soient des raisons qu'il faut entendre. Ça ne veut pas dire qu'on est convaincu, mais ça veut dire qu'on peut les entendre, puisqu'elles sont au-delà de la croyance particulière. En même temps, parfois, elles ne font que masquer des raisons privées qui ne s'énoncent plus comme raisons privées qui se masquent derrière des raisons publiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel est dans ces raisons publiques l'élément fondamental ? Il n'y en a pas en général. Nous sommes confrontés dans nos sociétés à différentes valeurs. Je pense à la valeur de liberté, à la valeur d'égalité, par exemple. Et comme les techniques ont ce site particulier qu'elles vont extrêmement vite, nous sommes confrontés chaque fois à une sorte de pilotage, c'est-à-dire que des nouveautés très prometteuses sont mises en œuvre pour des buts légitimes, et qu'en même temps on se dit à certains moments que cela peut heurter un certain nombre de valeurs qui nous sont chères, mais il faut le temps pour le voir. Parce que dans la mesure où cette technique évolue très vite et dans la mesure où on vient de le voir, c'est extrêmement difficile et qu'il faut essayer que le grand public puisse comprendre, non pas la technique, moi je ne la comprends pas non plus, mais puisse comprendre les enjeux, eh bien on est confronté à de grandes difficultés. Alors, en ce qui concerne la problématique des cellules souches, Dominique a déjà quand même envisagé un certain nombre de questions. Il y a évidemment le problème des cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire, là c'est le nil obstacle, le refus de la part de l'Église, mais en même temps de la part d'un certain nombre de personnes qui considèrent qu'on ne peut pas considérer l'embryon comme une sorte de matière première indéfiniment exploitable, qu'il doit y avoir des règles, que ça doit être lié soit à une activité thérapeutique ou une activité scientifique, et même dans certains cas, c'est pas permis. On sent bien que quand on utilise des cellules souches embryonnaires, vous avez cette idée suivant laquelle, quand même, vous touchez à une promesse de vie. Donc ça pose des problèmes dans la société, qui peuvent être des problèmes de raison privée, même parfois des problèmes de raison publique, des gens qui disent, indépendamment de toute appartenance religieuse, que c'est quelque chose dont ils ne voudraient pas que ça se généralise, ou dont ils acceptent peut-être que cela se fasse dans les circonstances les plus urgentes et nécessaires, mais il semble de toute façon, comme Dominique l'a dit, que ce ne soit pas tellement à l'ordre du jour, en tout cas thérapeutiquement, pour la recherche sûrement, mais pour la recherche, voilà, ça pose ce problème-là, qui est un problème fondamental et qui pose effectivement la question de savoir quand commence la vie ou quand commence le droit d'une entité à être respectée dans sa dignité. Hein ? Est-ce que c'est la fécondation ? Est-ce que, tu l'as dit, le blastocyste, le moment où il y a une partie va devenir l'être humain ? Est-ce que c'est au moment, mais c'est la viabilité du fœtus, je ne sais pas, moi, 20 semaines ou 22, je ne sais pas très bien, ou à la naissance ? Tout ça, ce sont des questions qui sont des questions extrêmement difficiles, qui peuvent susciter des débats qui sont des débats considérables. Ça vaut la peine d'en discuter. Bien entendu, les philosophes et les théologiens discutent de ça depuis 20 siècles et jamais personne n'a trouvé une réponse, parce qu'à un moment, on prend une décision. Et on dit effectivement que rien n'est parfait et que donc on choisit un certain moment d'équilibrer des valeurs. Parce que quand vous avez des questions de valeurs, souvent les valeurs sont en opposition les unes avec les autres. Vous devez soigner quelqu'un et en même temps vous devez détruire un embryon, etc. Bon. Donc c'est une question, mais qui est une question qui n'est pas centrale pour le moment. En tout cas, elle n'était pas centrale dans ton exposé. Le fœtus, ça posait un autre problème. Pour les cellules souches du fœtus, mais il peut sembler aussi que ce soit d'ailleurs pas quelque chose qui soit à l'ordre du jour, mais l'argument est intéressant, puisque pour avoir le fœtus, il faut un avortement. La règle, si j'ai lu ce que tu disais, c'était que quand même, c'est peut-être difficile à vérifier, il faut que le consentement à donner le fœtus soit fait
après la décision d'avorter et pas avant, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on avorte pour cette raison-là, ce qui serait une instrumentalisation. Mais bon, je laisse ça là de côté pour le moment parce que c'est pas au centre. Et on en arrive effectivement aux cellules souches adultes. Et alors là, bon, on n'a pas ces problèmes-là. On n'a ni le problème de l'embryon, ni le problème du fœtus. Se posent les problèmes généraux de la manière dont de la propriété des tissus, de toute la question de la brevetabilité, la question de leur conservation, de leur stockage, distribution. Tu as beaucoup parlé de la question les colonnes banques publiques et banques privées. Ça ne vaut pas simplement pour le sang du cordon ombilical. Enfin, ça vaut pour l'ensemble des tissus que l'on peut conserver. Et donc, on se dit, si ce sont des cellules somatiques adultes, on n'a pas les problèmes des cellules embryonnaires ou des fœtus. Donc ça ne pose pas de problème à ce niveau-là, mais ça peut peut-être poser un problème à un autre niveau. Et j'ai lu un article d'un livre sur l'éthique de la médecine régénérative, que tu m'as passé d'ailleurs, d'un auteur dont je vous dirai le nom après, parce que le nom est très compliqué, et ça ne servirait pas à grand-chose immédiatement. Et dans cet article, il disait que justement, en ce qui concerne ce dont tu parles, c'est-à-dire ces cellules pluripotentes induites, donc induites par une manipulation, tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, ils expliquaient dans ce livre qu'on n'est pas loin de pouvoir, avec ce processus, fabriquer des gamètes. C'est peut-être encore justement à la frontière de la science et de la science-fiction, mais à ce moment-là, ça poserait des problèmes éthiques importants, et il vaut peut-être mieux parfois les poser à l'avance. Je ne sais pas, ou parce qu'on se dit toujours aujourd'hui que dans un pays ou dans un autre, ça va se faire. Et donc, il y a cette idée que si on fabrique des gamètes, un couple homosexuel, j'avais lu ça, je ne sais pas comment on ferait, est capable, donc peut avoir un enfant qui a le patrimoine génétique des deux, quelque part, la question qui se pose, à un moment où les enfants, à tort ou à raison, réclament quand même le droit d'avoir accès à leurs origines. Vous savez que dans la dernière loi française sur la PMA, celle qui a été votée hier, il y a quelques jours, on lève l'anonymat. Alors on a peur, quand on lève l'anonymat, d'avoir moins de donneurs, ce qui s'est passé en Angleterre, mais après ça a repris. Mais quelque part, il y a un désir de retrouver les origines et de ne pas vivre avec une sorte de secret que l'on peut comprendre. Mais je pense que ici, ça poserait encore un problème, plus, je pense, il pense, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je pense qu'ici c'est encore plus difficile parce que, quelque part, les gamètes, spermatozoïdes, ovules, viennent de, je ne sais pas moi, de la peau ou d'autres organes, et quelque part, tracer ça, qui est véritablement le père ou la mère dans cette situation-là, ça devient extrêmement compliqué, et ça pose cette question. Quand les enfants réclament ou demandent un accès aux origines, c'est pas quelque chose de purement biologique. On a tendance à biologiser les choses, surtout l'Église qui le fait aujourd'hui d'ailleurs. C'est une question déjà sociale. C'est surtout c'est venu des enfants adoptés à l'origine. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de fécondation in vitro, etc. C'est venu des enfants adoptés parce que, quelque part, un enfant, même s'il est très bien traité, très aimé par sa famille d'adoption et qu'il apprend qu'il n'est pas l'enfant de ses parents, c'est pas pour ça qu'il va moins l'aimer, sauf à déifier le lien biologique et le lien du sang. Mais tout simplement parce que cet enfant se dit, si je suis élevé par une famille différente, quelque part il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils m'ont abandonné? Est-ce que ceci, ça? Et ça, on peut comprendre. Donc c'est une question sociale et culturelle. Il y a une histoire là derrière. Et essayer de comprendre cette histoire, on peut comprendre que ça ait du sens. Je ne suis pas sûr que ça ait tellement de sens dans le cas du don de sperme. C'est-à-dire que le fait de connaître l'identité de la personne qui a donné le sperme, sauf peut-être si ça a une dimension sociale, si c'est pour la remercier, si c'est pour créer un lien parce que c'est une personne qui a fait quelque chose. Mais sinon, ça a beaucoup moins de sens, et ça aura encore beaucoup moins de sens si effectivement, dans les techniques des cellules pluripotentes induites, on en arrive à créer des gamètes et donc à créer des enfants, si c'est utilisé pour la reproduction.
qui quelque part aurait deux parents du même sexe et d'avoir le patrimoine génétique de ses parents. Et puis évidemment l'enfant se posera quand même une question puisque c'est pas une famille hétérosexuelle classique. Et là on va en arriver à des recherches qui vont devenir de plus en plus difficiles au fur et à mesure de la complexité des techniques. J'ai aussi été frappé parce que une autre technique dont il parlait et qui est une technique qui je crois elle est efficace aujourd'hui, c'est-à-dire quand on prend l'œuf et l'ovule et on change dans la cellule ou les cellules l'ADN de la mitochondrie, donc de la centrale énergétique. Et donc c'est un autre ADN. Et donc il y a l'ADN du reste de la cellule, cet ADN-là, plus celui du père. Donc c'est un enfant, ce qu'on appelle les enfants avec trois parents, deux mères et un père. Est-ce que ça a du sens dans cette perspective-là d'ouvrir à une sorte de recherche des origines qui véritablement poserait des problèmes immenses? Je n'en sais strictement rien. Un certain nombre de philosophes, comme Habermas par exemple, disent que c'est impensable cette histoire-là et que ça va mener beaucoup plus à une sorte de névrose ou de fragmentation s'il y a plusieurs parents que d'une recherche d'identité qui serait porteuse d'espoir, permettre une vie qui soit une vie bonne. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent au-delà de la question des embryons, la question des banques publiques et des banques privées. Un problème qui se pose aussi, et sur lequel on n'insiste pas souvent assez, c'est le problème du tourisme médical. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui dans le monde, dans un certain nombre de pays, il existe des instituts, des hôpitaux, peut-être des facultés, je n'en sais rien, qui promettent sur Internet à des gens qui sont vulnérables parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution à leur maladie, qui ont de l'argent, bien sûr, et qui vont effectivement essayer des thérapies cellulaires en particulier, parce que c'est le tourisme de la médecine cellulaire dont cet article parlait. Et là, effectivement, ça pose énormément de problèmes, parce qu'on pourrait se dire qu'il faudrait interdire ça, il faudrait imposer tous les critères dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des critères de méthodologie scientifique, de pertinence, d'autonomie, de libre consentement, enfin tous les éléments que l'on peut imaginer, surtout de peer review, c'est-à-dire de contrôle par les pairs de connaissances qui sont mises en pratique avec la mise en œuvre du rapport entre le bénéfice et le coût et des choses comme ça. Tout ça, semble-t-il, n'est pas fait. Et ça, ça crée aujourd'hui, étant donné la mondialisation des communications et surtout la mondialisation d'Internet et toutes les informations qui circulent et le fait qu'il n'y a pas de gouvernement mondial et qu'il est extrêmement difficile d'instaurer des critères éthiques parce qu'il y a des pays dans lesquels ça ne se fait pas, qui ne fonctionnent pas suivant les principes de l'état de droit, dans lesquels il y a un intérêt immense à capter un certain nombre de revenus venant de gens qui sont à la fois qui ont des ressources et qui sont dans la détresse du point de vue de leur maladie. Et ça pose effectivement des problèmes tout à fait urgents. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, vous voyez, j'ai posé un certain nombre de problèmes par rapport à la limite qu'il ne faudrait peut-être pas franchir. Une manière d'aborder la chose, une porte d'entrée, c'est la différence entre le thérapeutique et ce qu'on appelle l'augmentation de l'humain, entre le fait d'essayer de soigner les individus et la possibilité de les transformer. Mais comme vous savez, une fois qu'on a la technique pour faire l'un, on a souvent la technique pour faire l'autre. C'est le cas du clonage. Si vous arrivez à faire un clonage thérapeutique, vous pouvez aussi essayer d'avoir une mère porteuse et de faire en sorte que vous arriviez au clonage reproductif. Ça, c'est proche.
Ça me fait penser au nucléaire. Je veux dire, si vous avez, on le voit avec l'Iran, si vous avez la capacité du nucléaire civil, quelque part, vous n'êtes pas tellement loin, même si il y a des étapes à franchir, du nucléaire militaire. Et donc, c'est ça la difficulté, au fond, le fait que ça puisse poser un certain nombre de problèmes. Or, il se fait qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis un mouvement qui existe aussi en Europe, qu'on appelle le mouvement transhumaniste. Et ce mouvement transhumaniste, ce n'est pas un mouvement qui est prudent et qui dit « attention, respectons la limite entre, disons, le thérapeutique globalement et puis l'augmentation de l'individu ». Ils visent explicitement cette augmentation et ils sont en train d'y travailler en Californie. Et donc, c'est intéressant la notion de transhumanisme. Nous sommes, je pense, tous des humanistes, avec des engagements spirituels différents, bien entendu, mais c'est ça qui fait la société dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes tous des humanistes, c'est-à-dire que... Et tout ce dont a parlé Dominique fait partie de la dimension humaniste, c'est-à-dire essayer de soigner de mieux en mieux les gens, mais en faisant ça, essayer de ne pas heurter d'autres valeurs qui nous semblent tout à fait aussi essentielles. Donc on reste dans l'humanisme qui consiste non pas à prendre l'homme tel qu'il est, au contraire, puisque ça vise à faire en sorte qu'on diminue la souffrance, qu'on allonge la vie, etc. Mais quelque part, on prend la condition humaine, mortelle, comme un donné. Et avec cette condition humaine, on essaye de faire le mieux possible. Et donc, c'est ça l'idée du perfectionnement humain, de l'humanisme, tel qu'il existe depuis le XVIe siècle et qui s'est développé ces derniers siècles. Le transhumanisme dit, au fond, vous prenez la condition humaine comme un donné, vous êtes trop pessimiste, il y a moyen de transformer radicalement l'homme. Et pour le transformer radicalement, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va pouvoir être capable d'allonger la vie peut-être démesurément, d'abolir la maladie, d'abolir la souffrance, de rendre les gens éternellement heureux, de faire de l'homme quasi un dieu, Homo Deus, le livre de Yuval Noah Harari. Et donc, effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas simplement de la science-fiction. Elles sont encore éloignées. Enfin, il y a des auteurs comme Ray Kurzweil, qui est un des transhumanistes les plus connus et qui travaille pour Google, d'ailleurs, qui disent que le point de transformation véritable, c'est 2050 ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses, à un certain moment, dont il faut pouvoir prendre la mesure. Et je pense que c'est un élément intéressant parce que au fond, nous qui sommes en train d'essayer de rester humanistes, même si nous utilisons des techniques qui vont quand même très très loin, l'ingénierie génétique, etc., dans la manipulation de l'humain, donc nous le savons, ce qui n'était pas possible auparavant, et bien même si nous faisons ça, nous voulons nous limiter pour essayer de préserver Sapiens, l'espèce humaine. Et quelque part, les transhumanistes vont dans une autre direction, en essayant bien entendu de ne pas faire souffrir, en essayant d'utiliser les rapports entre les machines, les êtres vivants, les sciences du cerveau, les nanotechnologies, les technologies tout à fait microscopiques, etc., pour créer quelque chose dont on ne sait pas ce que ce sera. Et donc, pour faire, au fond, du dessin intelligent, intelligent design, ce sont ceux qui croient que c'est Dieu qui a créé les organismes, etc. Eh bien, l'homme, à un certain moment, ne sera plus dépendant de l'évolution naturelle. Il va être capable de s'auto-transformer, de se transformer lui-même et de dépasser toutes ses limites. Alors là, on est du côté de Prométhée, puisque Prométhée a été puni pour ça. Et je voulais dire simplement, pour terminer, que d'abord, il faut prendre ça en considération, mais qu'en plus, la limite, même entre ce qui est thérapeutique et qui ne l'est pas, est une limite délicate. Par exemple, j'entendais ces manifestants, que je n'aime pas beaucoup, pour tout vous dire, avant-hier, et j'entendais, en préparant justement cet exposé, et il y avait un manifestant qui disait que la fécondation in vitro pour les couples hétérosexuels, ça c'était conforme à la nature,
Tandis que s'il s'agissait de faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire d'élargir la loi aux couples de femmes homosexuelles et aux couples et aux femmes seules, là, ça devenait de la démesure artificielle, de la technique qui change vraiment les rapports humains les plus fondamentaux. Et au fond, j'écoutais un journaliste qui disait, mais après tout, la possibilité, par exemple, par don de sperme pour des couples dont le mari est stérile de faire un enfant, ça ne soigne rien. Ça permet aux parents, parce que ça ne soigne pas la stérilité, ça permet aux parents d'avoir un projet de faire des enfants qui est un projet social, culturel, un désir que l'on peut considérer qu'il faut favoriser ou pas favoriser. Et ce désir, ben, il peut aussi exister dans des couples différents. Donc on est déjà au-delà avec les techniques que l'on peut utiliser. Et effectivement, la question est de savoir, à un certain moment, mais ça suppose des discussions qui soient des discussions continues, à un certain moment, où il faut placer la limite, l'arrêt des valeurs, en particulier en ce qui concerne ce que pourraient devenir les cellules induites pluripotentes si on arrivait à fabriquer des gamètes. Moi, je m'intéresse parce que je pense qu'on peut discuter de tout ça et que... voilà. Un énorme merci à vous deux. Est-ce que vous avez animé éventuellement la discussion avec un groupe ? On va faire un ou deux, hein. Moi, je vais pas faire ça tout seul. Hein. M'interpelle, c'est qu'en Californie, le fait d'avoir signé un document pour un escroc, d'un point de vue juridique, quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en Californie, donc, il y a des tas de centres de thérapie cellulaire avec les charlatans qui s'ouvrent, et le fait d'avoir signé un document, comme quoi on a été informé de la technique, du coup, ces centres ne sont pas poursuivis. J'imagine que le patient qui a payé et signé ne va pas poursuivre son médecin. Il n'y a pas quelque chose qui devrait protéger les patients. Moi, j'ai l'impression que chez nous, les informed consent qui sont là pour protéger l'expérimentateur et pas les patients ne sont pas acceptés. Je ne sais pas s'il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis. Ouais, je pense qu'il y a en tout cas une tendance différente aux États-Unis. Et je pense que c'est la philosophie de John Stuart Mill, qui est le grand philosophe du libéralisme au 19e siècle, qui avait publié un livre qui s'appelait On Liberty en 1859, et qui au fond critiquait le paternalisme en disant « Tant que ce que je fais ne cause pas de tort à autrui, la société n'a aucun droit de m'empêcher de faire ce que je voudrais faire. » Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui serait une intervention pour mon bien de la société, et pas parce que je risquerais de faire du tort à autrui, mais pour mon bien, apparaîtrait comme du paternalisme. Et le paternalisme, au fond, c'est traiter les adultes comme les enfants. C'est normal d'être paternaliste avec les enfants, puisqu'on les dirige encore, mais ce n'est pas normal avec les adultes. C'est d'ailleurs le mot d'ordre des Lumières Kant, que l'humanité arrive enfin à maturité. Alors justement, quand on se trouve confronté à des individus très vulnérables, et c'est la même chose pour les dons d'organes, c'est la même chose pour les mères porteuses, etc., c'est-à-dire que des gens qui effectivement signent quelque chose, et dont on pourrait dire à l'extérieur, après tout, ils font ce qu'ils veulent de leur corps, des disciples de Mill aujourd'hui disent ça, après tout. Nous faisons ce que nous voulons, que la société n'intervienne pas. Oui, mais si on ne tient pas compte des situations de vulnérabilité, et surtout du fait que les gens sont dans une situation d'angoisse et ne comprennent évidemment rien à ce qui leur est donné sur Internet, où on leur donne des exemples, des récits, des choses qui sont attirantes, mais rien qui puisse véritablement attester de la qualité et de l'absence de danger du traitement qui va leur être donné. Quelque part, l'idée de dire qu'ils ont signé quelque chose, dans tous nos pays, on a abandonné cette idée ultra-libérale de la convention-loi, c'est-à-dire la convention entre les parties, fait la loi entre les parties. Il y a plus de contraintes qui sont des contraintes qui visent à protéger l'individu, même contre lui-même. Donc même l'individu qui veut aller dépenser
des millions pour essayer une thérapie qui n'est pas du tout validée, et qui donc prend un risque énorme, même cet individu-là, eh bien, on pourrait, dans le cas idéal, l'empêcher de faire ce qu'il voudrait faire, parce que l'idée de consentement autonome est éclairée, c'est le mot éclairé qui est important. C'est-à-dire que ça suppose une capacité de réflexion, de compréhension minimale de tous ces problèmes-là, et qui, dans cette espèce de désordre mondial et de publicité sur Internet pour des hôpitaux qui font des thérapies, dont des thérapies cellulaires, c'est pas du tout présent. Donc effectivement, mais ça c'est un des défauts de la Californie, qui a des côtés sympathiques par ailleurs, mais c'est un des défauts de cette espèce d'ultra-libertarianisme qui perd tout sens quand on est confronté à des décisions qui ont des conséquences immenses et dont la technicité est une technicité immense aussi. Et l'idée de dire que l'État qui interviendrait pour essayer d'introduire un certain nombre de limites serait un État, je ne sais pas, un socialiste, ce qui est une insulte aux États-Unis, et c'est une idée très dangereuse face à l'évolution des techniques, et ça va continuer. Donc, on n'a pas très bien saisi la nuance entre les banques publiques et les banques privées. Je ne suis pas très convaincu, que les privées soient moins bonnes que les publiques, parce que je n'ai pas très bien encore compris la nuance. Est-ce qu'il y a réellement une réglementation? Et pour vous donner un exemple, le public, si c'est un pays qui impose, c'est public, parce que c'est le pays qui peut le faire via ses institutions. Prenons par exemple la Belgique, Netis, c'est public, on a un problème moral, c'est un problème. Ça crée un problème aussi là. Donc le public n'est pas nécessairement plus garant de sécurité, tout dépend du pays dans lequel éventuellement on va, où on se trouve. Par contre, le privé pourrait éventuellement subir ou bénéficier des mêmes réglementations ou des contraintes. Que le public, je ne vois pas très bien pourquoi est-ce que l'un serait pas bien et l'autre bien, à partir du moment où il y a des réglementations financières qui contrôlent les deux. Je me mal fait comprendre. En fait, c'est pas ici une question de gestion publique ou de gestion privée, parce que en Angleterre, où ils permettent effectivement des dons anonymisés et des dons privés. C'est une gestion privée qui s'occupe aussi des dons anonymes. Donc, en fait, mon propos était plutôt qu'en permettant des sangs de cordon pour un enfant, les parents paieraient, ça, c'est un problème d'injustice sociale. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir accès. Or, en Belgique, on est dans un système très social. Et il n'est pas question, si une technique est démontrée, qu'elle soit accessible à certaines personnes et pas d'autres. Et c'est ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'avoir un cordon pour soi, si on a un jour besoin d'un cordon pour réparer du cartilage ou des cellules de Parkinson, si ça s'avère efficace, on ira le chercher dans la banque. Au niveau public, c'est pas payant, ce serait obligé. Si on a l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde, c'est payé par le ministère de la Santé pour aujourd'hui, avant c'était lui qui a payé la banque. C'est accessible à tout le monde, c'est anonymisé. Le problème, c'est qu'on veut éviter, en Belgique, c'est une médecine à deux vitesses. Pourquoi certains stopperaient leur cordon pendant 50 ans? On ne sait même pas si on peut le garder 50 ans, parce qu'on n'aura pas de problème entre la naissance et les maladies qui va s'écouler plus de 2 années. Et donc, c'est dans cette optique-là. Ça n'a rien à voir avec la gestion. Parce qu'en Angleterre, où ils acceptent les deux banques, privées et publiques, c'est une gestion privée. Mais quand elle est publique, ça veut dire anonymisé, accessible à tous. Okay. C'est pas dans la gestion. D'accord. Le principe de solidarité dans la société. Oui, bonjour, bonsoir. Merci pour ces deux exposés extrêmement intéressants dans ces domaines vraiment très complexes. C'est une question pour. Monsieur Archer, à propos de la digression concernant le transhumanisme, qui est d'abord un petit correctif, dire que les transhumanistes sont favorables au progrès technologique sans limite,
c'est vraiment mal les connaître. Et le meilleur exemple dans ce domaine-là, c'est un des deux fondateurs du mouvement transhumaniste. Le mouvement transhumaniste, c'est Nick Bostrom, et c'est probablement le plus grand spécialiste mondial des questions de risque liées à l'intelligence artificielle. Mais bon, sur la question de la limite de l'humain, et donc est-ce que le transhumanisme c'est une forme d'humanisme ou pas, sur la question de la limite de l'humain, tous les transhumanistes quasiment se retrouvent sur le fait qu'un des objectifs c'est de permettre aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps, voire juste en limitation de durée, donc l'immortalité ou la mortalité. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que si un jour cela devient possible, par notamment les personnes qui sont examinées aujourd'hui, si un jour cela devient possible d'avoir une vie sans limitation de durée, il faudrait l'interdire, parce que ce serait, comme a dit un spécialiste du domaine, contraire au droit humain, ou bien est-ce que vous pensez que le droit à la vie est quand même la question la plus fondamentale et dépasse et donc dépasser les limites actuelles de l'humain, c'est souhaitable. Et parce que, à mon avis, la médecine a toujours voulu dépasser l'humain. La médecine et la science et les techniques en général, ça a toujours été l'objectif, mais je me demande quelle est votre perception de... À quel moment faut-il, si vous dites que oui, il faut refuser, à quel moment il faut garder 122 ans, 150 ans. Merci. Je vous remercie d'avoir introduit Neil Bostrom, qui est un des vrais philosophes qui s'intéresse au transhumanisme. Et vous avez raison, Bostrom a changé. Bostrom a été un moment très proche de toutes les espérances transhumanistes, et c'est plutôt quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse aux dangers de l'intelligence artificielle, aux problèmes éthiques, etc. Bon, on peut vérifier, mais je l'ai connu différemment, en tout cas il y a une dizaine ou vingtaine d'années, quand il était venu à Bruxelles. Hein. Maintenant, ça pas important, mais Bostrom est un homme important. Vous dites, oui, au fond, si on avait la possibilité d'augmenter la durée de vie jusqu'à 150 ans, etc., est-ce qu'il faudrait l'interdire? Je voudrais vous rappeler la citation juste au début du livre « Brave New World » d'Aldous Huxley, qui est un des livres qui prévoyait, si vous voulez, ou qui les espérances transhumanistes. C'était une citation du philosophe russe Nicolas Berdiaev, qui disait, on dit toujours que les utopies sont irréalisables, hein, c'est des utopies, il dit, détrompez-vous, elles sont réalisables, le grand problème, c'est de les empêcher de se réaliser. Alors, les empêcher de se réaliser, ça veut dire que, bien sûr que si... Il est possible à un certain moment de prolonger, on n'y est pas hein, quand même, de prolonger de façon relativement générale la vie à 100, 120, 130 ans, etc. Il ne faudra pas croire que c'est simplement du plus et que simplement on aura fait mieux pour l'homme comme le fait de diminuer la souffrance, de soigner des maladies, etc. Parce qu'il faudra apprendre à l'individu de vivre pendant si longtemps et ce que ça peut signifier. Pour le sens de l'existence, pour le travail, pour le fait aussi de savoir, on a parlé à propos des bancs, si ce sera égalitairement réparti, parce que si certains peuvent devenir des espèces de surhommes augmentés et que le reste de l'humanité, le vulgum pecus, n'est pas accessible, ne peut pas accéder à ça, vous allez avoir une fragmentation de l'humanité qui sera terrible. Donc il y a toutes sortes de questions qui se posent. Et ces questions qui se posent, Huxley a essayé d'anticiper ça. C'est un livre de 1932 quand même, hein. Bon, il y a presque un siècle quand même, hein, où là, les enfants ne sont plus faits dans l'utérus de la mère. Il y a toute une fabrique, une industrie de fabrique des enfants. Et alors, comme on a besoin d'un certain nombre de tâches dans la société, eh bien, on crée des individus qui seront satisfaits en faisant telle ou telle tâche. Et donc, tout tournera il y aura une sexualité totalement libre, pas de distance entre le désir et la satisfaction. Quand ça va mal, une pilule, le soma, qui vous met dans des états qui sont
dans des états de félicité, d'ataraxie, des choses comme ça. Et pour finir, vous avez dans ce livre un individu qui a été éduqué un petit peu ailleurs, et donc qui lui est né d'une mère, et qui n'a pas du tout envie de ça, qui a envie que la vie soit peut-être dure, qu'il y ait des obstacles à franchir, qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait des échecs dont on apprend, qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la littérature, parce qu'avec tous ces gens absolument ultra satisfaits vivant jusqu'à 130 ans, est-ce que vous auriez encore Proust, Van Gogh et d'autres, etc. Quelque part, ça pose des problèmes qui sont des problèmes immenses. Et je ne suis pas du tout de ceux qui disent attention, attention, simplement il faut réfléchir. Et là, les questions éthiques et philosophiques sont des questions tout à fait redoutables, et il faut qu'on accompagne ceux qui parfois ont une espèce d'euphorie du progrès transhumaniste. Il faut accompagner le progrès avec une distance critique. Je pense que c'est important, mais ce n'est pas du tout pour refuser, parce qu'il y a là-dedans sans doute des tas de choses qui sont des pistes qui valent la peine d'être prises, d'être parcourues, si on est capable d'y réfléchir, mais ça va très vite. Et donc, moi, j'appelle souvent mes collègues philosophes à réfléchir à toutes ces choses-là. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut plus réfléchir de la même manière. Peut-être que les problèmes sont toujours les mêmes, parce que ces problèmes-là, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je me lève le matin, quand je vis jusqu'à 120, 130 ans, etc. Qu'est-ce qui va donner sens à ma vie? Est-ce que ce sera une retraite de 60 ans, 70 ans, et des choses comme ça. Il y a des choses qui vont changer profondément, parce que c'est déjà en train de se réaliser. Et donc, simplement, la question éthique, elle doit être posée beaucoup plus largement dans la société. Je ne suis pas du tout de l'interdiction, etc. D'abord, ce n'est pas possible, étant donné qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Pas besoin de micro. Je voulais simplement demander à Mme Brun, quelle est l'incidence des leucémies? Parce que, dans cette problématique des banques privées versus les banques publiques, les banques public, hein, je fais partie de l'université de Liège et on a monté cette banque publique, elles sont destinées à donner du sang et des cellules souches à des gens qui en ont vraiment besoin au prorata du nombre de leucémies qui existent et qui sont compatibles. Par contre, quand vous vous adressez à une banque privée, c'est dans l'espoir que vous seul, si vous avez une leucémie, vous allez pouvoir bénéficier de vos cellules congelées. Et ça, la probabilité, elle est extrêmement faible. En plus, on sait que les banques, le don de sang, de cordon hétérologue, allogénique, est beaucoup plus efficace que le don autologue. Donc, les chances de guérir sont meilleures si on vous donne le sang, cordon de quelqu'un d'autre que de vous-même. Et je donnerai simplement comme exemple à monsieur la banque de Nîmes, après l'Anvers, qui vient de fermer ses portes, parce que c'est une banque privée, ça coûte horriblement cher. Et voilà tout d'un coup les milliers, des dizaines de milliers de sang de cordon qui ont été réchauffés parce que la banque n'a plus, la société privée n'a plus l'argent pour payer l'azote nécessaire pour maintenir les... Alors, vous parliez tout à l'heure de la dystopie du meilleur des mondes, mais les banques privées, c'est utopia, en tout cas dans une conception européenne. Quelle est l'incidence de la leucémie? Quelle est la probabilité que chacun d'entre nous ici ayant une leucémie traitable par un sang de cordon? En probabilité d'élever une leucémie, ça je ne sais pas. Je sais qu'il y a une incidence pour les adultes, c'est 6% en 1000, et que les enfants, on en a 200 par an en Belgique, des cas de leucémie chez l'enfant, c'est une maladie exceptionnelle. Mais par rapport à nous, ça doit être encore plus faible. Hein. Mais donc, ça fait que renforcer, oui, effectivement, ce que j'ai dit, ça n'a pas beaucoup de sens de garder son cordon. Mais ce n'était pas seulement pour sa leucémie, comme je l'ai montré, dans les cellules de cordon, on trouve maintenant des cellules mésenchymateuses, on va peut-être pouvoir les utiliser pour faire du cartilage, pour faire de l'os, pour faire des cellules... Moi, je crois personnellement que les cellules de souche, elles ont un intérêt, c'est pas de remplacer les cellules normales, mais de conditionner les organismes qu'on fera aussi bien avec des extracellulaires vésicules, avec ce qu'on appelle des exosomes. Et je sais que vous travaillez sur les exosomes. Tout à fait. Bon, on est au séminaire. Alors, M. Pott m'a donné le relais, là, comme dans une course d'appelée. Nous sommes l'un et l'autre, les champions olympiques. Mais... Alors,
chercher dans l'os. Est-ce qu'il y a une différence de qualité, de longueur des télomères entre les deux, enfin, de qualité quoi. C'est une bonne question. C'est ce qui s'est passé avec Dolly, c'est qu'elle avait des télomères raccourcis et donc elle a plus ou moins longtemps la brebis clonée. Et donc les cellules qu'on prend effectivement dans l'os ont déjà des télomères raccourcis par rapport à des cellules embryonnaires. Et c'est là l'intérêt, j'ai pas le temps d'aborder ça, mais de ces cellules induites, la technique du japonais, c'est qu'ils sont capables de rallonger les télomères. On n'a pas encore compris comment, mais le fait de. Donc on se retrouve vraiment dans une cellule embryonnaire avec tout ce que ça implique comme potentiel de différenciation et porte ouverte justement au clonage reproductif, on n'a pas du tout envie de voir venir. Mais donc la vertu, donc les cellules mésenchymateuses dans les télomères sont plus âgées. Si on arrive à prolonger les télomères, on n'est pas loin de la prolonger la vie, non? Prolonger au moins certains tissus qui s'allument plus vite que d'autres, enfin, généralement. Oui, ça c'est encore effectivement une autre question, mais pour répondre à la question du transhumanisme et de l'amélioration de l'être humain, je pense que si on prolonge la vie dans de bonnes conditions, il n'y a personne qui va dire non, on ne pourra pas lutter. La seule chose, c'est vérifier que la qualité de vie suive, parce que si c'est prolongé déjà également aveugle dans une chaise, ça n'intéresse personne. Mais on va y arriver, je pense. L'impact sur le public d'une célébrité comme Schumacher qui utilise les cellules souches, et du coup ça va lever le débat. Comme vous disiez, ça peut avoir des impacts utilisés de manière à profit. Donc, comme dans un hôpital public privé à Paris, peut-être pour ça. Pas quel est l'impact sur le public de ça. Ça, le problème, c'est que dès que les situations sont désespérées, la porte est ouverte, mais j'imagine que Schumacher, il le fait dans un programme très contrôlé, et ça m'étonnerait qu'il soit dans les mains de charlatans, mais je ne connais pas les détails. Mais il y a des études pour essayer de régénérer, en tout cas de cicatriser des moelles épinières qui ont été sectionnées. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude concluante, mais il y a des travaux en cours qui essayent de continuer à améliorer. Donc il a peut-être accepté d'être dans une étude. Et il y a l'agence, je crois que quand on n'a plus rien à perdre, il faut essayer de faire progresser la science et entrer dans une étude. C'est vrai en cancérologie aussi, hein, mais 9 patients sur 10 qui ont un cancer avancé demandent un traitement plutôt que d'être en soins palliatifs. Allez, madame Valérie. C'est juste pour en créer le fait que j'ai beaucoup travaillé avec rapprocher les problèmes de section noire et nous avons fait des études, nous avons essayé et on a arrêté tout ça. Mais encore aujourd'hui, j'avais des patients qui venaient pour une mise au point en résonance magnétique pour bien montrer leur lésion et ils partaient en Chine. Sur Internet, vous trouvez régulièrement qu'on va, qu'en Chine, on peut remarcher après une crêpe de moine. Eh bien, je le demandais de revenir me voir une fois que c'était terminé jusqu'à présent. Il n'y a encore aucun pire. Et donc, mais voilà, je crois que par contre, ce qu'on voit aujourd'hui est de faire remarcher des personnes qui n'ont plus de moelle, mais grâce à un système d'intelligence artificielle et de traduction des influx. Neuronaux cérébraux qui sont transmis à un cytosquelette artificiel, cela marche. Alors, c'est plus du tout de la manipulation génétique, mais je crois qu'il y a aussi d'autres pistes. Mais surtout, méfiez-vous des miracles chinois ou russes ou originales.
pour les deux. Quel est le poids d'un comité bioéthique par rapport à la loi? Autrement dit, en Belgique, on n'est pas parvenu, le comité bioéthique est peut-être parvenu à faire voter des lois. Aux États-Unis, la différence des États au sein des États-Unis. Est-ce que le comité bioéthique est toujours suivi? Est-ce que la loi peut outrepasser ou carrément rejeter, refuser? Comment est-ce qu'on peut éventuellement expliquer ça, qu'il y ait ces différences, par exemple, vraiment la Belgique et les États-Unis, que qui connaît très bien, et la Belgique, que Dominique connaît très bien? En tout cas, je peux parler du comité de fonctionnement du comité consultatif bioéthique en Belgique. Donc, c'est un comité consultatif. Donc, il n'a aucune autorité sur une décision du Sénat. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que dès qu'un sujet touche à la bioéthique, le comité consultatif a été sollicité pour voir est-ce qu'on peut faire un don d'organes après une euthanasie, par exemple. Est-ce qu'on peut transplanter l'ovaire dans un couple homosexuel de femme, est-ce qu'on peut transplanter l'ovule implanté, l'ovule fécondé dans la partenaire pour qu'ils soient tous les deux parents? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va accepter en Belgique? Il y a plusieurs débats où chaque fois les ministres ou le Sénat, n'ayant pas les personnes compétentes, envoient là-bas le comité consultatif de bioéthique qui soit prend une position ferme, soit par exemple dans l'euthanasie, ils avaient proposé quatre propositions. Ils n'ont pas pris position pour l'euthanasie avec trop de sensibilité confessionnelle. Donc ils ont fait quatre propositions et le Sénat en a choisi une. Ils ont voté, ils en ont choisi une que vous connaissez. Mais donc, je pense que c'est par rapport à la France où le comité de bioéthique est présidé par un grand sage, style Kahn, qui détient la vérité. En Belgique, on a autour de la table vraiment quelque chose de très pluridisciplinaire. On a des sociologues, on a des généticiens, on a des juristes, on a des philosophes, on a des... Est-ce qu'on a encore... des psychologues, des médecins, bien sûr. Et donc, toutes les sensibilités sont abordées pour les projets. Et j'ai l'impression qu'on arrive à des décisions très rationnelles, bien réfléchies, et elles sont suivies ou elles ne sont pas suivies, mais on n'est que consultatif. Parlementaire du micro, pour poursuivre sur cette question bioéthique, qui est d'avis conforme ou pas, pour ma part, je trouve quand même assez symptomatique en matière de protection du patrimoine architectural ou historique. Il faille un avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites, alors qu'en matière de bioéthique, ce qui me paraît quand même presque aussi intéressant que la protection du patrimoine, eh bien là, l'avis n'est pas un avis conforme et le politique en fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui interpelle? Oui, moi je crois, pour répondre à ce que tu dis et en même temps à ce que disait Jean-Michel, les comités de bioéthique ou les comités d'éthique en général, c'est fait, et c'est bien quand c'est pluridisciplinaire, c'est fait pour essayer justement de comprendre les enjeux éthiques de techniques qui sont nouvelles. Est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, des choses qu'on ne pouvait pas faire quelques années auparavant, ce serait bénéfique, mais en même temps, quelles seraient les conséquences, etc. Et donc, effectivement, il ne faut pas que ce soit trop vertical avec quelques personnes qui décident des enjeux éthiques et qui, éventuellement, arrivent à porter une législation. Ce n'est pas toujours pour porter une législation. D'abord, il y a des communautés éthiques, de bioéthique et de communautés éthiques très décentralisées. Il y en a dans les hôpitaux, dans les entreprises. Donc, il y a chaque fois qu'il y a des enjeux qui se posent comme cela. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Je pense que la solution belge est meilleure, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait effectivement cette dimension pluridisciplinaire, parce qu'il faut essayer d'abord de comprendre le problème. Moi, quand j'ai commencé à préparer l'exposé avec Dominique,
qui m'a beaucoup aidé. J'avais compris parce que j'avais lu les journaux, etc. Et donc j'avais, bon, c'était un peu, j'ai évidemment clarifié un petit peu, embryonnaire, adulte, pluripotente, induite, etc., etc. Bon, je suis à ce moment-là, ce que j'ai fait, mais j'ai mis beaucoup de temps. Et j'étais un peu seul parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des sociologues ou d'autres gens, etc., pour saisir tous les enjeux, pour me dire, tiens, ça ne va pas, ici, il y a un problème dans ce que je disais, des choses comme ça. Et donc, ces comités sont très importants parce que, véritablement, comme disait Aristote, on est plus intelligent à plusieurs, on a plusieurs cerveaux, etc., mais on est surtout plus intelligent quand on rencontre des gens qui abordent le problème à partir d'une perspective, d'une discipline qui n'est pas la nôtre. Donc, au début, il faut peut-être se parler pendant longtemps pour que ce ne soit pas une coexistence. Évidemment, si vous invitez des théologiens, etc., chacun va venir avec son truc. Ça, c'est une simple coexistence. Mais pour qu'il y ait un véritable débat, une intégration des perspectives, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors après, il y a peut-être des législations, il y a des directives européennes, il y en a un petit peu partout. Les États-Unis, c'est pas noir et blanc. Il y a effectivement une tendance plus dérégulatrice et libertarienne qui est traditionnelle aux États-Unis, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il y ait cet élément intermédiaire qui est au fond un élément de la société civile entre le citoyen isolé ou dans sa profession, même très compétent, mais qui voit ce qu'il peut voir dans ce qu'il fait, et d'autre part l'État, le législateur, qui lui-même a ses autres enjeux et qui est souvent très pressé et qui ne voit qu'à la prochaine élection. Quelque part, ces comités d'éthique font partie d'une sorte de société civile vivante, et comme il s'agit d'un enjeu qui est un enjeu tout à fait fondamental, il faut vraiment les renforcer. Alors qu'il faille peut-être à un certain moment que ça devienne, comme dans la commission des monuments et des sites, un avis conforme que l'on doit demander, je ne sais même pas si dans certains pays c'est pas le cas, je n'en sais rien, je ne sais pas la famille. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'ouverture de votre exposé et les questions et les réflexions qu'elles permettent de se poser. Moi, j'avais envie de revenir de la question de la position qui pour moi est fondamentale dans une prise de position éthique et particulièrement éthique médicale, c'est le souci de l'altruisme. Et j'ai beaucoup apprécié les travaux de Viviane chez Tripatin, qui est une psychologue, psychanalyste française, qui est une éthicienne, et qui, en se basant sur les travaux de Spinoza, définit l'éthique comme étant le souci, avant tout le souci pour l'autre. Et donc je trouve que c'est une position extrêmement... qui peut permettre en tout cas de s'avancer dans ses réflexions personnelles quand on est confronté à des questions de cet ordre-là. Et je voulais revenir à la question des banques publiques plutôt que des banques privées. Et c'était une question, parce que c'est que, en tout cas dans ma pratique, je suis de plus en plus confrontée à des femmes d'une trentaine d'années qui se font congeler des ovocytes pour plus tard, c'est-à-dire pour pouvoir éventuellement féconder ces ovocytes après la ménopause, ou en tout cas après un âge où la fertilité est garantie. Et bien sûr, ce sont des congélations strictement privées, et on paye un loyer pour garder ces ovocytes au froid pour des jours meilleurs. Mais donc je trouve que ça n'est quand même pas sans poser beaucoup de questions, et on peut imaginer aussi toutes les dérives qu'il pourrait y avoir dans qu'est-ce qu'on peut faire de ces cellules, de ces ovocytes. Et puis je me disais, mais au fond, éthiquement, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un stockage privé de cellules souches ou un stockage privé d'ovocytes? Voilà, c'était une question, et je me demandais comment les comités de bioéthique, si cette question est posée, et quelle est la réflexion par rapport au stockage des ovocytes versus le stockage des cellules souches. Voilà, je pense que c'est plus une question pour M. Boisdard. Ça rejoint un peu l'exposé de la semaine passée. Alors, c'est vrai qu'éthique n'est pas tout à fait synonyme de solidarité, parce que sinon, ça impliquerait que les États-Unis ne sont pas éthiques, et qu'ils n'ont pas de solidarité. Donc, c'est un peu plus compliqué que le mot solidarité.
Et je ne sais pas, mais ça, M. Bonnard me dit pour les congélations de vos sites, si c'est payant ou si c'est payé par... C'est une procédure qui est payante, qui est autorisée en Espagne et en Belgique, qui est interdite en France. Et moi, personnellement, je n'y vois aucune limitation. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vous accepter de congeler un organe, de congeler n'importe quel type cellulaire. Si on peut préserver la fertilité pour, comme vous dites, des jours meilleurs, pourquoi est-ce que des jeunes femmes qui sont confrontées éventuellement à l'absence de choix d'un partenaire ne pourraient pas préserver leur avenir en gardant des cellules souches, en gardant des ovocytes? Moi, je ne crois vraiment pas. C'est une... Il y a beaucoup de fantasmatiques dans tout ce que vous racontez. Et donc, il faut revenir un peu à la biologie. Un ovule, ce n'est pas un être humain. Il ne sait même pas une potentialité d'être humain. Donc, ce n'est jamais qu'une cellule. Et ça vous donne une potentialité de garder un programme de développement et un programme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très, très humain de reproduction. Alors, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ici, on est dans une situation où il y a la dame qui va pouvoir se le permettre et celle qui ne va pas pouvoir se le permettre. Donc, j'ai l'impression que c'est un problème qui va arriver au comité de bioéthique. En tout cas, pour reprendre un sujet qui a été discuté avec professeur Foidard la semaine passée, c'est bien de mettre ses ovaires au frigo, mais jusqu'à quel âge? Parce que faire des mères à 60 ans, donc là le comité de bioéthique a pris une position tout à fait arbitraire que ça n'est pas autorisé en Belgique au-delà de 50 ans. Et M. Poirier était encore plus rigide que nous, parce que si j'ai bien retenu, vous étiez à 45. Mais en tout cas, le comité de bioéthique a pris une position que, ok, pour congeler, si pour une raison personnelle, on ne peut pas être enceinte avant 40 ans, mais pas au-delà de 50 ans, parce qu'on compromet quand même un enfant qui va se retrouver avec une mère qui vit prématurément. Mais je pense que si c'est payant et que ça se généralise, pour moi c'est encore exceptionnel. Je ne sais pas combien vous avez eu de demandes, mais c'est exceptionnel les demandes de femmes qui font congeler leurs ovaires. Mais ça va augmenter et à mon avis le comité de bioéthique va être consulté. Parce qu'on ne peut pas se permettre en Belgique d'avoir des personnes qui ont accès et d'autres personnes qui n'ont pas accès si c'est justifié. J'ai l'impression que si c'est pour une raison médicale, ça va être payé par la sécurité sociale. Si c'est pour une raison privée, ça va être payé. C'est pas très cher, hein, ça. Au point de vue des coûts, ce ne sont pas des milliers d'euros. Hein, c'est simplement congeler une cellule dans une touffe d'azote. Et quand c'est fait comme on congèle des spermatozoïdes, c'est moins de 50 euros par an. Hein, je crois que c'est de l'ordre de 20 euros par an. Donc, c'est de toute façon entre 20 et, comme tu l'as dit, 45 ans. À mon avis, si ça augmente, c'est quelque chose qui va arriver sur la table. Parce que si c'est quelque chose qui est utile, il doit être accessible à tout le monde. Il y a une sorte de spermésis public. Dans la continuation de ce débat moyen public, moyen privé, donc vous avez dit madame, tout le monde est pour la prolongation de la vie, si c'est dans une santé, une recherche, tout le monde est pour, c'est peut-être un peu optimiste, ou pessimiste, du point de vue, mais ce qui est certain, c'est que, notamment aux États-Unis, il y a des recherches qui sont faites par, c'est notamment Google Capital et d'autres, mais c'est des recherches exclusivement privées. Donc dans la continuation de votre intervention et de celle de M. Archer, par rapport au risque d'inégalité dans ce domaine-là, est-ce que ça ne signifie pas qu'une des priorités de la recherche publique devrait être là, donc dans votre domaine, mais plus largement, dans tout ce qui permet une plus grande longévité en santé? C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est quand même pour rester en bonne santé. Aujourd'hui. Les progrès de la science sont colossaux. Il reste des maladies redoutables pour lesquelles on ne progresse pas autant, mais l'être humain n'a jamais vécu aussi vieux. Dans aucune institution publique au monde actuellement, il n'y a comme but explicite et déclaré d'avoir des progrès en matière de longévité en bonne santé. Il y a des recherches évidemment dans tous les domaines, mais il n'y a pas cet objectif, il n'y a pas ce changement de paradigme qui se trouve chez un certain nombre de
Quand ça commence, hein, il y a beaucoup de recherches sur le aging et pourquoi certaines personnes de 80 ans sont tout à fait fit et d'autres sont complètement. Et par ailleurs donc, la personne qui a vécu plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, on ne parle pas d'optimisme le DA, malgré que je sois progressiste. La personne qui a vécu plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est Jeanne Calment. Elle est décédée en 97, on est plus de 20 ans plus tard, et la durée de vie maximale, on ne progresse pas. Non, parce qu'on est lié à ce phénomène physiologique, comme M. Labou en a parlé, c'est le raccourcissement des télomères. On a aussi dans le rein, on a un nombre de glomérules rénaux qui s'épuisent avec les années. Au niveau cérébral, on a un nombre de cellules souches qui s'épuisent. Donc on n'a pas encore réussi à stabiliser notre réserve au niveau de la moelle, mais les réserves modulaires diminuent, c'est pour ça que les traitements sont plus toxiques. Au-delà de 70 ans, donc on n'a pas encore réussi. Le vieillissement, c'est un processus complexe, mais beaucoup de gens travaillent sur le vieillissement. Je voulais juste dire un mot sur la question précédente, la congélation des ovocytes. Ça, je trouve que ça va tout à fait dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure de la nécessité d'un comité d'éthique pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, comme on le disait, l'éthique, c'est des valeurs. Mais ici, vous avez au moins, quand j'y réfléchissais en vous écoutant, vous avez au moins trois valeurs qui sont en cause. Vous avez d'abord une grande valeur qui est la valeur de liberté. Quand même, cette femme, au fond, qui est peut-être dans une vie professionnelle qui l'empêche totalement d'avoir un projet parental ou qui n'a pas envie, qui ne peut pas rencontrer d'homme, etc. Et qui, à un certain moment, voudrait avoir un enfant et qui donc utilise une technique, si cette technique disponible et pas cher, comme vous dites, et décide de dépenser son argent comme il le veut, c'est une dimension de la liberté qu'on doit prendre en considération. Et puis vous avez la dimension de l'égalité, ce que disait Dominique, qui devient, je dirais, plus pertinent, plus c'est cher. Hein, parce que quand c'est pas cher, bon, ben, chacun fait un peu des économies, fait un peu ce qu'il veut de son argent, mais à partir du moment où ça devient des processus extrêmement chers et qu'on considère que quelque part il faut les ouvrir comme possibilité à toutes les femmes, à ce moment-là, ça suppose un processus de redistribution. Okay, donc c'est la valeur d'égalité, elle est aussi présente. Et puis la troisième valeur que vous avez mentionnée, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est encore une autre. C'est-à-dire, c'est pas simplement la liberté de la femme qui veut faire ça, ni l'égalité entre les femmes qui voudraient le faire, mais c'est aussi l'intérêt de l'enfant, où on dit au fond que si elle les conserve trop longtemps, ben, l'enfant risque d'avoir une mère à durée de vie trop restreinte. C'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure à propos de la mère, dans l'exemple que tu as donné à la salle, à propos de la mère qui était atteinte du virus HIV. Il y a 20 ou 25 ans, on n'aurait peut-être pas répondu comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on répond, puisqu'aujourd'hui, son espérance de vie est une espérance qui correspond grosso modo à celle de la moyenne. Peut-être que dans la salle, il y aurait eu des votes différents ou des opinions différentes dans la mesure où, effectivement, peut-être que cette mère était promise à une mort prochaine. Donc, au fond, il y a l'intérêt de l'enfant, la liberté, l'égalité, il y a bien d'autres valeurs. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir des communautés d'éthique qui soient des comités pluridisciplinaires. Parce qu'enfin, on n'est plus dans ces sociétés, on a une grande métaphysique avec, où on peut tout systématiser, on sait d'avance les valeurs qu'on veut défendre. Les valeurs, elles surgissent au moment où il y a des problèmes. Au moment où il y a des problèmes, on se dit, tiens, je tiens à ça. Tant qu'il n'y a pas eu de problème, vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, ce sont des choses qui sont très, très importantes au niveau de ces comités bioéthiques. Oui, je vais revenir aussi avec ce dernier problème, parce que j'invite ici les personnes à aller voir le site du comité consultatif de bioéthique de Belgique, qui a émis des avis en matière de congélation des ovocytes. Et il a émis deux avis. Un pour la congélation des ovocytes pour des raisons médicales, ça c'est une chose. Et puis il y a la congélation des ovocytes, ce qu'ils appellent le social freezing. Et une valeur en plus, outre l'intérêt de l'enfant, le comité consultatif de bioéthique a demandé que la société réfléchisse en fait à la manière de s'organiser pour qu'il n'y ait pas un dilemme pour la femme de se dire je dois congeler mes ovocytes parce que maintenant je dois faire carrière. Donc en fait, ça c'est l'aspect sociologique du social freezing.
et le comité avait plusieurs pistes de réflexion à ce sujet. Voilà. Allez voir le site du comité consultatif de bioéthique. Merci. Je crois que sur ces paroles très sages, nous pouvons certainement conclure le débat. On va remercier Mme Bron et M. Archer pour la magnifique présentation qui a stimulé la salle et l'intérêt de la discussion le démontre bien. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation du professeur Langelais dans la suite de ce programme. Et...